much the oars and the ells here. They have to amuse themselves. We're not making them laugh.
Bah, pas d'aide. Bonsoir. Bonsoir. En ce samedi soir où on s'amuse à jouer avec les commandes. On fait des petits tests en live. Alors par contre, comment c'est ça le bot est dead? Non, il est pas dead, il est pas dead. C'est quoi ces commands? C'est un mensonge. Il marche bien. Il y a pas de commande, en fait, on a deux commandes, quoi, c'est tout. Non, normalement, il y en a une, deux, trois. Normalement, t'as une commande. Alors attends, je vais checker. Ah, t'as peut-être celle de base aussi, ouais. Ah, tu vois, il y a des commandes. Ouais, il y a celle de base, ouais, évidemment. Oh, ouais, voilà, ouais. Non, mais à nous, il y en a deux, quoi. Ouais. Bon, comment ça va? Comment ça va, Sigil? Quoi de neuf? Petit live pas prévu ce soir. Sur de l'escape gaming. Cramer nos incroyable. Cerveaux. Ça va bien et vous? Bah nous ça va, écoute. Tranquillou. Tranquillement. Hein. Tranquillement. Petit samedi soir tranquillou. Exactement. Voilà. Bah écoute, j'ai même pas regardé si le jeu était pris par... On va voir ça tout de suite. Tac. Ah, c'est pas ce que je me disais. Ah si, c'est moi les prix. Parfait. Parfait ça. Ok, bah vas-y, j'attends que tu m'invites. Ok, en effet, je pensais que t'étais pas encore sur le jeu, mais je t'avais dit quoi. Parfait. Donc on avait fait l'Egypte et l'espace. Ouais, c'est ça. Et il nous en restait deux plus un bonus, c'est ça? Il nous reste le manoir Edgewood et la coopérative Omega. Et un niveau bonus sur le Père Noël. Là. Ouais. Donc, let's go manoir. Ouais. Zébordi. Zébordi. Le bilan cérébral, ouais, déjà. De quoi? Ah oui. Ah ouais. D'accord. Le bilan cérébral, c'est-à-dire... Comment ça? Ok. Oh, j'ai un chapeau, mec. Il y a un journal. Il y a Elgewood à tir dedans. Ok. Là, j'ai un journal, mais j'ai la flemme. Il y a une trappe, là. Enfin, il y a un verrou, pardon. Oh, mec, il y a un truc là. Il y a un truc. Ah, le test de Rorschach. Mec... Tiens, fais le test de Rorschach. Ouais, pff, bof. Ça va, c'est rien. The Rorschach. 2 sur 3. Il y en a 3. Frénologie. Qu'est-ce que la frénologie? J'ai de la commande backseat dans le titre au cas où. Bien vu. Bien vu. Oui, en effet, oui, parce que non, mais c'est ce que j'ai vu. Oh, mec, regarde! Rajouter, oh, la peinture! Il y avait un coffre derrière. Oh, what the fuck! Je peux appuyer sur les touches de la tête de frénologie là. Oh, il y avait un coffre derrière ça? Énorme. Bouteille d'encre. Parce qu'il peut y avoir des trucs sur la bouteille. Regarde cette tête, tu peux appuyer dessus. Oh, il y avait un jeton dedans. La tête? Ah, elle est tombée. J'ai des lunettes. Oh, ok, d'accord. Ça va être les parties du cerveau, ça? J'imagine. Là, il y a un cadenas à 4 chiffres. J'ai un bouquin. Il y a des bouquins là, mais je suis pas sûr qu'il y a là, des. C'est avec une clé, les deux. Deux cadenas à 4 chiffres. Et là, il y a les horloges là. Il pleut. Les horloges, tu peux les déplacer et les faire lancer à une certaine force. Eh, elles sont à une certaine heure chacune. Ok, d'accord. Ok, ah ouais. Là, il y a un jeton. Hop, c'est cadeau. Il y a un parapluie. Ok, ça c'est quoi? Ouais, c'est le morceau de vase, t'as pété un vase, super. Et ça je du coup... même pas le parapluie, c'est de la merde. Ça du coup c'est un code à... Un code à 3 chiffres pour le... Y'a pas des trucs sous l'oreiller, y'a les clés là. Ah, bah y'a les deux tiroirs du bas. Les deux placards du bas. En effet. Des bouquins. Est-ce que par hasard on pourrait pas... Ouais, si, je peux récupérer. Peut-être que... Nice. Et là, un chapeau. Un chapeau. Les est bouquins. De ce chapeau. Il y a un jeton dans le chapeau. Bouquin, il y a écrit 4 bouquins là en haut. Edgewood apparaît. Okay. Hein. Donc Edgewood, c'est le mec qui fait les chapeaux. Celui-là, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ouais, 7 bouquins, dont un plus grand. 4 bouquins, 7 bouquins. Ok. Ça. Il n'y a rien. Il n'y a pas d'autre endroit où mettre la clé là. Et ça. En haut, ah, il y a un rien. Jeton là. Ok. Ça, la photo, y'a rien derrière.
Non. Mon jeton là. La lampe. On peut l'allumer, ok, super. On est content. Et là il travaille sur quoi lui? Tiens, j'ai un verrou à pendule inventé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 aussi. Tiens, j'ai le truc du pendule sur le journal là. Tiens, regarde ça. Alors. Truc du pendule sur le journal. Ah oui. Ouvre-le. Et dis-moi comment faire. Alors, la première c'est là. Ok, donc la première faut pas qu'elle bouge. Ah, elle bouge pas. La deuxième elle bouge comme mais ça. J'ai ouvert le truc sans faire exprès genre. Hein? Bah pas à skip. Vraiment, un test de QI. Bon ça va, je vous test d'intelligence. Test d'intelligence. Quelle image est différente? Il y a trois chiens et il y a un serpent, donc du coup c'est le serpent, j'imagine. 1, 2, 4, 8, 16. Du coup, c'est à chaque fois. 1, 2, 4, 8, 16. Attends, quoi? Non, mais c'est un test d'intelligence, genre, je te montrerai juste. Ouais, après. Mais il y a peut-être un donc code. 32, donc ça fait 2C. Quel cube correspond à celui qui est déplié? Alors. Tac. Tac. C'est potentiellement le 1. J'ai rien fait. C'est faux, j'ai entendu. Tiens, j'ai rien fait. Rien de truc au sol. C'était ce qu'il y avait dans le petit coffre là. Alors. Quelle est la différence? Ok. 1, 2, 4, 8, 16. Il y a un truc IQ là. 32, ah, donc là, du le coup, code, ok. Le code il correspond au test de QI parce qu'il y a IQ. Quel cube correspond à celui qui est déplié? Et ça correspond au livre. Donc il y a un truc dans le bouquin. Dans les bouquins. C'est le 3. Le cube? Ouais. Je me souviens plus. Alors attends, peut-être que la suite de réponse logique ça fait. Ah oui, mais ça fait un code à 3 chiffres, ça fait 2. 2. C. 3. 3. 2, c'est 3. 2, c'est 3. Mais ça fait 4 chiffres, genre. Et là. Là, il n'y a pas de lettre. Non, et en fait, regarde, il y a des petites étiquettes sur les verrous. Si tu regardes bien. Sur le côté là. Il y a un truc où là. Ah, 4 bouquins. IQ, et là, il y a combien de bouquins? IQ. Non, c'est IQ, donc c'est le test de QI, donc c'est ce que t'as dans la main. Ah bah c'est simple, attends. 2, c'est 2, c'est 3, ça? Ouais. Bah C, c'est la troisième lettre de l'alphabet. Ouais, mais du coup t'as que 3 lettres. Ouais, c'est de la merde un peu. C'est pas con ce que tu dis. Ah là, y a un code, attends. Ouais, je sais bien. Et c'est, lui, ça a 3 chiffres, lui. Merde. Donc ce serait 2, 3, 3. Hashtag 47. Quelle image différente? 2... Ah, 2, 32, 3 du coup. Peut-être. Quoi, 32? J'ai vu du milieu. Ah, c'était ça. Je suis trop fort. Quoi, 32? Bah, c'est la réponse du milieu. Alors, ah, j'ai le truc avec crâne. Okay. J'ai le truc avec le crâne. Les différents traits de personnalité, l'estime de soi, l'espérance, l'aptitude verbale, etc. Donc ça, c'est toutes les zones du cerveau. L'hypothèse clinique la plus récente est que le cerveau est divisé en sections. Chacune responsable pour un trait de personnalité distinct. La morphologie du crâne est affectée par la section du cerveau sous-jacente, ainsi que ainsi une évaluation complète de la personnalité d'un individu peut être déterminée en mesurant sa tête. D'accord, la phrénologie. Donc du coup, ce sera les différentes zones qu'il faudra appuyer dessus, quoi, à la fin. Et j'imagine. Et les bouquins, par contre, alors j'en ai plein des bouquins. Et j'en ai plein des bouquins. J'en ai un. Il y a combien de bouquins de sur le dessin? Il y en a un sur le bouquin. Attends, sur le dessin là, il y en a 3, 4. Il y en a 4, parfait. The Island by Dr. Moreau, il y a 4 bouquins as well. 4 bouquins aussi. Bah, là, j'ai encore un The Island of Dr. Moreau. Là. Ok, ici. Et il y a combien de bouquins dedans? Ah, il y a combien de bouquins? Comment ça? Quand tu l'ouvres, il y a, plusieurs. 2, 3, 4, il y en a 4. Ok. Et sur la tranche de la couverture, il y a écrit combien? Le 1. J'ai 2. Attends, je le fais là. Après j'en ai un autre bouquin comme ça, Wells. Le Island of Dr. Moreau, il y a 7 bouquins dedans. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc celui-là il compte pas. Et il y a 3. Et lui là... Il y a intérêt d'avoir plein de fois le même bouquin, ça je... 4. Donc ça ferait 4, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 4, 4, 7, 7 possible, hein. Vas-y, attends, je suis en train. 4, 4, 7, 7. Oh putain, trop chaud. Ok, nice. Ok, les deux autres dessins.
Donc les tests de Rorschach. Ouais, donc, alors. Ah, il y a un truc derrière. Personne ne trouvera mon coffre. Ok, super. Ok. N'oubliez pas le code cette fois, ok. Ah mais oui, mais c'est des putains de lettres, on est trop cons. C'est des putains de chiffres. Ah oui. C'est quoi effet. T'as le 3 toi du coup, c'est quoi? Ça fait un 5. Non, ça fait 2, 9, 5. Ok, 2, 9, 5. 2, 9. Et 5. Vas-y. Let's go. Nice. Des notes, un verrou. Et un jeton. Il y a rien dessus. Alors là, ah putain. Un du patient en examen. Phrénologique de la tête du patient. Ah, phrénologie. Que le patient physique et langage, notoriété, générosité et maîtrise. Attends, mais en vrai, c'est flou sur. Tiens, je te le donne parce que c'est flou. Avec la qualité de merde que j'ai. Non, j'ai baissé les graphismes exprès. Donc... Alors. L'évaluation du patient. Un examen phrénologique de la tête du patient a révélé que le patient a une compréhension avancée de la musique et du langage. Malheureusement, c'est la fin de mes éloges. J'ai un besoin de notoriété, générosité et de mauvais augure. Plus importante encore, l'examen suggère une personnalité combative avec des tendances destructives. Destructives. Putain. Ok. J'ai un verrou, moi. Et moi, j'ai la liste de ce que ça veut dire. J'ai love avec. J'ai une photo des deux. Non, c'est pas ça. C'était quel bouquin où ça. Il y avait la signification. C'est pas les notes. Ah non, ça c'était les notes, c'est que tu. C'est ce que je viens de drop. Attends. Toi qui as tout sur toi là. Ouais, normalement, ouais. Ah, c'était pas là-dedans. C'était pas dans le bouquin. Non, c'était pas celui-là. Non, c'est bon, je l'ai, phrénologie. Alors. Et t'as la tête aussi. Je vais la reposer, comme ça je vais pouvoir. Alors, musical, langage. T'as la tête. C'est toi qui. C'est moi qui l'ai la tête. Ah oui, c'est moi qui l'ai, putain. Je la vois là. Mais ben, attends. Tiens. Trop. Merci. Par contre, il va falloir que tu relises l'autre truc. Pour que je te donne le numéro. Yep. Alors, attends, non, donne-moi. Ah, quoi que, attends, je peux le lire en fait, moi. Il est où? Ah non, je l'ai laissé par terre, je suis con. Ok. Ouais, il est par terre, la note, ouais. Ok, alors, on a dit musique, langage, notoriété, générosité. Musique, langage, notoriété. Ok, et du coup, ça dit quoi ça? Musique, 6. Langage 3, notoriété 6, 3, notoriété 5, ensuite générosité, mauvais augure, combative, destructive. Générosité de mauvais. Alors attends, un manque complet de générosité et combative et destructive. Alors ça fait quoi? Générosité 8. Ouais. 9. Il y a pas destructive. Il ne se passe rien pour l'instant. Et du coup, c'est manque. Donc, s'il y a des manques, il n'y a pas besoin d'appuyer dessus, si. Non, je sais pas. Alors, attends. Compréhension avancée de la musique et du langage. Donc, musique-langage. Malheureusement, c'est la fin de mes éloges. Un besoin de notoriété combiné avec un manque de complet de générosité et de mauvais augure. Plus important encore, l'examen suggère une personnalité combative avec des tendances destructives. Un besoin de notoriété et un manque de générosité. Donc il n'y a pas de générosité peut-être. Donc ça ferait. Pas de générosité. Ça ferait, 8, ça ferait. Attends, ça ferait 6. C'était 8, c'était ça, j'ai trouvé. 8, c'est générosité, ouais. Ah, c'était le 8 qu'il fallait enlever. Ah, d'accord, quoi. Ok, ça marche. Parfait. J'ai la clé, c'est ici la c'est clé. C'est la fin. Let's go. Let's go. Bon, joué, ça va. C'était le premier. Ah, donc 6 sur 8 des jetons, putain. 6 sur 8, putain, il est pas mal. Hein. Ouais. Je vais juste rechanger les options histoire de. Si mon PC tient, que je puisse lire les bouquins aussi. Parce qu'en fait, moi, les bouquins, je peux pas les lire parce que c'est flou. Ouais, j'avoue que là. Donc, c'est pas ouf, quoi. C'est sûr. Ça va être ça, du coup. Je vais mettre. Un personnage qui danse. Oui. Ok. Je pense que c'est ça. Attends, je vais voir un bouquin pour voir si c'est vraiment ça ou pas. C'est pas ça. Dommage. Tac, tac. On va mettre ça, on va voir. Bah c'est toujours flou. Nick. Ah là c'est mieux déjà, c'est bon. Hop, vous avez next. Terminé cet épisode. Next. C'est parti. L'étoile de l'Est brille. J'ai la bibliothèque.
La bibliothèque. Non mais oui, c'était en bas, c'était écrit. Ah, d'accord. Alors, ok, les papillons. Wow, les papillons. Ok. Ouais, ils ont un problème les papillons, non? Bah c'est des croisements génétiques, ouais, non? Ouais, c'est très croisé, quoi. Ah mais oui, ça c'est avec les gènes et tout, c'est ce qu'il va falloir trouver, c'est ce qu'il va falloir reconstruire, le tableau génétique, genre. Ah, super, trop bien. Le phénotype et le génotype. Alors là, j'en ai un déjà. Bien vu. J'ai pas réussi à le prendre. L'horloge, elle s'ouvre. Il va là, du coup. L'horloge, elle s'ouvre, on peut déplacer les... Je sais plus comment ça s'appelle, et les aiguilles. Et... La phase de la lune, ok. Vous allez avoir une phase de la lune, une heure et trois trucs à... à faire. Alors ça, il y a des... Okay. Des aigles avec écrit 1, 9. Ok. Il y a des bûches, il y a encore un papillon. Il y a une un encrier. Il y a des trucs qu'on peut ouvrir là, ouais. Oh, j'ai des papiers. Et là, il n'y a rien dedans. Là, il faut une clé. Là, il y a plein de trucs à ouvrir. Il va falloir un code, donc le code, ça va être avec les... J'ai un morceau de vinyle. Ah, j'ai une clé. Fais gaffe parce que, mec, les endroits, il y a plein de bouquins, il peut y avoir des trucs, plein de trucs derrière. Ah. Il y avait une clé au bout de... Ah oui, non, au bout de la ficelle. Il y avait une clé au bout de la ficelle. Elle va là, la clé. Où ça? Je pense, là devant. Yes. J'imagine. Y a un petit coffre. Un bout de vinyle, donc le bout de vinyle, il va là. Ouais, nice. Ok, il y avait un petit coffre. Il y a un oiseau. Le coffre, il a un code à 5 lettres. Okay. Entre Q, B, M, R, E, S, H, G, D, M. T'as peur? Et il y a un jeton derrière. Ouais, je suis sûr. Ah d'accord, c'est des lettres, ok. Dans la cheminée, il n'y a rien. D'accord. Non, il n'y a rien. Oh, il y a un livre verrouillé. Ah ouais? Et la clé ressemble à quoi? Tiens, attends, c'est une collection je de poèmes. Je récupère tous les bouquins. Je le mets, je l'ai mis par terre, le livre verrouillé. Attends, je récupère tous les bouquins parce que des fois il y a des trucs cachés derrière. Oh, il y a une clé dans le bouquin, la vache. Hein? C'était le même bouquin qui était par terre. Et du coup, regarde, attends, il était là, genre, il était devant, ici, enfin, par là-bas. En plus, il y a une clé dessus sur la tranche, genre. Du coup... Bon. Ah, j'ai éternué. Ouais. Okay. D-R-E-A-M, genre Dream, en fait. Bah ça va être le code de ça. Ouais. Mais tiens, regarde, attends, je te laisse regarder, tiens. Je le mets là. Et du coup, il y avait le cadenas à côté, enfin dessus. Et la clé était dedans. Let's go. Dans le même bouquin. Nice. Il y avait quoi dedans? C'est ma chère épouse, mon amour, ça va toujours comme un feu ardent. On va l'ouvrir. Ça s'ouvre pas. No. Nice. Alors. Ma chère épouse, mon amour sera toujours comme un feu ardent. Est-ce que ça se foutrait pas dans le feu, ça? Oh oui. Mais y a plus de feu. Ouais, il faudrait un briquet peut-être pour allumer le feu. J'ai pas des trucs sur les bouquins. Oh putain, j'ai trouvé un jeton, mon gars. On a peut-être des trucs, l'aigle et tout ça, on les a pas sculptés. Non. Et le hibou, là? 1 et 9. Aigle... 1 hibou 9. Ok, 1 hibou 9. J'ai pas vu d'aigle ni d'hibou. Non, moi non plus. Je vais continuer à récupérer là, les bouquins. Avec... Ouais, c'est avec les papillons, ça. Et ça, c'était avec quoi? C'était avec les oiseaux. Enfin, il y a un oiseau sur le cadenas, genre. Ah. Et du coup, c'est peut-être l'aigle. Ça ressemble plus à un aigle? Non, mais sinon, ça ressemble à un piaf, genre de base, quoi. Ah, c'est 1, quoi. Après, y'a rien de spécial avec le. Rien de spécial avec l'aigle. Bah ouais, c'est pour ça, c'est chelou. Y'a pas un truc dans le fion, non? Non, y'a rien dans le fion. Non, je sais pas trop. Milliard de bouquins. Ah oui, ça, y'a un code à 5 chiffres avec les papillons, ok. Ah mais du coup, ça veut dire que c'est l'ordre et c'est le code des papillons, en fait, il est là. Il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, 4, 5, ouais, c'est ça. 1, 2, 3, 4, 5, ouais, faut les mettre dans l'ordre. Ah mais en fait, c'est facile, en fait. Là tu démarres de la même aile à gauche, ok. Après t'as juste à... Non bah non, du coup elle est à droite. Genre. Non mais après tu fais ça comme ça. Non, c'était bien ce que t'avais fait là. Non, ce serait plus ça, non? Mais si, enfin, regarde, ça regarde, remets ce que t'as fait. Avant. Non mais regarde, regarde, regarde. Lui, son aile, c'est la même gauche et droite là? Par rapport à tout à gauche. Ouais. Et après tu fais ça. Et ensuite, ça, ça. Tu vois ce que je veux dire?
Ouais, je suis pas trop sûr de la logique, mais non, non plus ouais. en fait. Parce qu'en vrai, moi pour moi, là c'est. Celui-là il va plus là, tu vois, genre, vu que c'est l'aile. Non, même pas, lui il va là. Je sais pas si c'est ça, un arbre, lui, bien, un arbre phylogénétique en fait. Bah si, je vois que ça, genre, en vrai. Bah, en vrai, faut refaire à la base, tu vois, parce que si on n'a pas la ligne du haut, on peut pas estimer la ligne du bas, tu vois, genre la ligne en dessous. Yeah. Okay. Parce que là, attends, je les ai tous passés. Ah, mais attends, mais j'avais une note, moi, je suis trop con, genre. La haute classification des papillons, et de la machin, les papillons monarques. Bah, pour... ouais, voilà, c'est exactement ça sur ton dessin. Les ailes identiques doivent être connectées. Voilà, voilà c'est bien ce que je disais. Oui, donc du coup, t'avais raison. Mais par contre, faut partir forcément de la droite, parce que à gauche, il y en a deux possibles. Trois possibles. Ah, mais à droite, il y, 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 y en a trois possibles à aussi. À droite, il y en a trois possibles en fait. Ah. Mais de toute façon, en vrai. Est-ce que c'est exactement les mêmes du coup? En vrai, faut que ce soit logique, genre. Soyons logiques, ça, ça va là. Comme ça, on peut connecter les deux. Est-ce qu'il y a un autre bleu là? Et bleu marron, ça va finir comme ça. Tac, tac, tac. Et merde, c'est pas la bonne. Ah bah oui d'accord du coup c'est ok d'accord logique ok ok va falloir bah, donc on sait que c'est pas celui-là donc lui on l'élimine ouais, mets-le en haut à gauche on va mettre lui là est-ce qu'on peut faire ça ok il ici on peut faire ça une aile là. On peut faire ça et voilà oui bien vu donc le code c'est 3 8 5 7 2 3 8 5 7 et 2 donc, voilà ça, oh, un piaf. Un piaf, enfin, je prends le bouquin moi. Le piaf. Et je le mets derrière. Et il y a un morceau de vinyle aussi. Il y a des morceaux de vinyle, donc le vinyle il va là. Attends, j'ai l'autre morceau moi. On va prendre le disque. Et là, le piaf c'était 3 moi j'ai. Il y a un truc dessus. Non, il n'y a qu'un 3 avant. Moi j'ai un 3 et toi t'avais quoi comme mot de code? Ça fait du bruit. Ouais. Mais y a un... ça fait un ordre. Ah, non. Ça fait chouette. Ah, oui. Je sais pas quoi, corbeau. Chouette corbeau, et aigle. Ouais, ça fait chouette, corbeau, chouette, aigle. Donc ça fait 9. Corbeau, c'est combien? C'est 3. Ça fait 9, 3, 9, 1. 9, 3, 9, 1. C'est ça. Putain, trop fort. Strong. Moi, t'as le mettre pour le voilà. Feu et pour foutre le truc dedans. Parfait. Alors attends, peut-être que je l'ouvre. Oui. Bah, je craque. Bon, j'allume l'allumette. Tu peux pas le P espace quand t'es sur la boîte d'allumettes et tu prends l'allumette dans ta main genre. Et tu la drag and drop dessus. Tu veux que je le fasse? Attends. Pas clair mes explications. Je fais espace quand je suis sur la boîte d'allumettes? Ouais, et tu drag and drop l'allumette sur la boîte d'allumettes genre. Oh bien vu. C'est bien ça? J'ai pas compris mais what ça a marché. Ok. T'as envoyé tout balader à côté genre. Ouais, t'inquiète, t'inquiète. Et donc ça, ça irait bien dans le feu, ça. Ouais, c'était le truc avec l'amour brûlant, je sais pas quoi, là. Ah, voilà. Et alors, qu'est-ce qu'il y a dedans? Thermomètre. Wow. Ils ont ce plus clair à l'heure de la pleine lune et la fièvre de minuit. Ah bah voilà. Donc, minuit. Et pleine lune. Je mets la pleine lune, moi. Et le thermomètre, c'est pour les balances, du coup. Oh. En bas. Mais alors... Putain, mais attends, je peux pas... Au milieu, tout en bas, tout en haut. Ah, je peux pas changer. Milieu, tout en bas. Je peux pas changer la petite aiguille, genre. Ah, c'est parce qu'elle est en train d'y toucher. Si, tu peux changer la petite aiguille. Je peux changer que la grande. Ok, bah je pouvais pas la toucher. Ah, c'est fini. Ok. Je crois que c'est pas que t'étais dessus aussi, du coup, je pouvais pas la toucher. Bah, moi, j'étais pas sur le truc du milieu, mais. Ah, ouais, non, mais c'est pour ça. Ça me paraissait chelou parce que je pouvais bouger la grande et pas la petite. Non, bizarre. C'est pas grave. NP, NP. Nice. Ouais, ça va, c'est assez. C'est assez linéaire comme progression. Plus simple que l'espace, je trouve, pour l'instant. Ouais, ça va, jusqu'ici, on s'en sort bien. Jusqu'ici, tout va bien. Jusqu'ici, tout va bien. Copyright, copyright, copyright. Ouais, ça va, c'est moi qui chante. Y'a rien de copyright là. Alors, une petite maison de poupée. J'ai une machine à écrire, j'ai une enveloppe, j'ai des bouquins. J'ai une boîte. J'ai un chien, j'ai un diable en boîte. Donc, ça, si je le tourne. Ah, moi aussi, j'en ai un. Un diable qui en sort. Oui, moi aussi, il y a un diable qui en sort. Mais il a rien de. Ah, moi aussi, je m'attendais à ce que. Ah, il y a un jeton dedans. Moi, il y a rien dedans. Déception. Là, j'ai un code à 3 chiffres.
J'ai un chien, j'ai une machine à écrire. Une lettre par terre. Il y a un lapin dessus. Alors, mes enfants adorés, j'espère que votre voyage avec votre tante est plaisant. Nous avons finalement pris le temps de faire le ménage et dans les combles. Izzy, nous avons tout d'abord trouvé ton diable à ressort. Ce jouet est adorable avec le cœur sur la boîte. Et comme il bondit toujours en premier, attention, premier est en gras. Ensuite, nous avons trouvé le jouet de Daniel qui bondit toujours après 4 tours. Finalement, nous avons trouvé le mien. Il semble qu'il lui faille le plus longtemps pour bondir. Toujours le plus longtemps pour bondir. Ils vous attendront tous à votre retour. Ok, donc. Il y a un code là avec le diable dessus, genre. Okay. Les petits jouets dessus, genre, à droite. Oh, wow. Et j'ai une photo de famille, moi, avec écrit Daniel and Lizzie with mom and dad, 1876. Donc, du coup, il va falloir replacer. What the fuck? Quoi, il y a un truc. Et une ampoule cassée. Il est où le code avec le diable? Le diable ici. Là, il faut trouver une ampoule. Ça fait. Ça, est-ce que ce serait pas. J'ai encore un diable en boîte là si tu veux. Hein. Oh, j'ai tellement cru. Je te les mets tous là, regarde. Les diables, il y en a deux derrière toi là. Attends, ouais, j'en ai un sur moi. Non, mais c'est pour ça que je te les rapporte tous au même endroit. Il y a pas de chiffres sur le diable, c'est bizarre. Non, mais il y a des symboles dessus par contre. Fleurs, ouais. Moi j'ai fleurs. Ils sont où les diables, tu m'as dit? Ah, ils sont là. Fleurs, étoiles et cœurs. Alors le cœur, normalement, il faut qu'un tour. Ça va quelque part, c'est sûr, non? Oh. Ok, il lui faut un tour. Celui-là, il lui en faut 4. Ça y a rien dans le tableau. 4, ok. Et ben, je tombe dedans aussi. Ok, donc ça ferait. Ça ferait cœur, étoile, fleur. Cœur, étoile, fleur ou rouge, violet, jaune. Pour ensuite trouver. Pour ensuite trouver le code. Les jouets, ils appartiennent à des enfants. Les jouets, il faudra les mettre là-haut. C'est sûr. Ouais, ça je sais quoi mettre. Où? Bon, en tout cas, je le mets là. Lizzie, nous avons d'abord trouvé ton diable à ressort. Lizzie. Lizzie, c'est. Attends. Lizzie, c'est le diable. Ah non, on peut pas mettre les diables à ressort. Ok, d'accord. Non, en fait, c'est des jouets, rien avec les. Ouais, d'accord. Par contre, je ne trouve pas la signification des boîtes à diables. Vis-à-vis du code, je sais pas. Bah ouais, parce que ils me disent la lettre dit sur le... le tien bondit toujours en premier. Ensuite nous avons trouvé le jeu d'année qui bondit toujours après 4 tours et finalement le mien qui fait le plus longtemps. Mais parce du coup j'ai trop faut compter le nombre de tours du dernier et t'as le code à 3 chiffres, non? Non, c'est 4 chiffres. Non, c'est attends. 3. Du coup ça fait 1 4 2. Et le ah, plus longtemps. Ah putain, d'accord, c'est bon, j'ai compris. C'est ça, non? Attends. J'imagine, hein. 1, 2, 3, 6. Ok. C'est 2, 4, 6. Je crois. J'imagine que c'est ça, non? Enfin, moi, ouais, c'était ça, putain. Non, mais bien vu, j'étais pas. J'ai cru que la réponse était plus simple que ça. Non, mais 2, c'est normal, hein. J'ai des jouets. J'ai un petit cheval à bascule. Et du coup, ça va être pour les gosses, genre. Moi, j'avais quoi sur les gosses? J'ai un éléphant en ressort. Lizzie and Mom with Dad. J'ai un éléphant en ressort. Ils ont pas leur jouet avec eux. Je ne peux pas remonter, ok. Ah, mais j'ai 3 éléphants. Ah, d'accord, ok, c'est des jouets, ok. Et là, c'était quoi? C'était le lapin. T'as pas un lapin quelque part? Non. Là, j'ai un éléphant, une voiture et un bateau, mais quand je les prends, ça les stack, donc. Non, mais il y a des trucs là-dedans. Je pense que c'est de la merde. Un milliard de trucs, un pérus, tout ça pour un putain de jeton. Oh, il y a une clé derrière le miroir, mec. What? Là, le miroir que je viens de prendre. Il y a une clé, mais où est-ce qu'elle va? Là? Là-dedans, là, là? Non. Nice. Oh! J'ai oh, mec! Ah oui, d'accord, j'ai oh, une bobine de film, mec. Bobine. Pas du film, mais c'est du. T'as une bobine, toi? J'ai plein de papier, moi. J'ai plein de papiers. Je pense que j'en ai 12. Ah. Là, il y a un code avec le lapin, effectivement, ouais. Bah, le papier, tu peux le mettre dans la machine, du coup. Le quoi? Le papier, tu peux pas le mettre dans la machine pour écrire? C'est toi qui l'as pris. Le papier? Ouais. J'ai pas touché, moi. Ah non, le papier, pardon, excuse-moi. Non, je pensais que tu pensais à la bobine. Non. Ok, donc maintenant, on peut écrire, effectivement.
Mais ouais, mais ça nous aide pas beaucoup. Il y a une horloge. Est-ce qu'il y a quelque chose dans l'horloge? Il y a un jeton, c'est tout. Attends, parce que... Oh, je peux changer l'heure de l'horloge. T'as vu que le... On peut allumer des... Oui, j'ai vu ça, mais j'ai pas capté, genre. Ah, mais attends, ils étaient pas quelque part tout à l'heure? Attends, j'ai une enveloppe, moi, depuis tout à l'heure, en fait. Mais depuis tout à l'heure, mec, on a... Mais le lapin, je l'ai, mec, depuis tout à l'heure, on a pas ouvert ces deux tiroirs-là. Mon très cher papa, merci mille fois d'avoir organisé ce voyage autour du monde. Premièrement, nous sommes montés à bord. Tiens, tu peux aller devant le globe, 5, du coup. 5, 9, 3, 7. Tu m'écoutes ou pas? Non. C'est bien ce que je pensais. Du coup, je vais attendre que t'aies fini ton truc, et après tu me dis. What? Attends, quoi? Ça ne va pas du tout. Comment on efface? Je vais effacer. Tiens, du papier neuf si tu veux. Ah, je veux bien parce que... Attends, parce que les bons chiffres écrivent pas les mêmes. Mais tiens, vas-y, reviens là deux secondes, j'ai le truc du globe terrestre, moi. Vas-y. Chine, San Francisco, forêt tropicale, Cap de Bonne-Espérance en Afrique et Angleterre. Alors, j'ai pas la Chine. Donc Chine, j'ai Angleterre, San Francisco. Ouais. San Francisco, j'ai pas. Non. J'ai le sud de l'Afrique. Ah, mais comment tu bouges, toi? Tu prends ta souris. Ah, et moi tu ça marchait bouges. Pas. Ah, si, attends. Attends. C'est moi qui fais là? Ah, oui, d'accord, moi j'ai rien dit. Donc Chine, San Francisco. Ah, attends. Dans le sud des États-Unis, ouais. Les forêts tropicales, du coup. Ou dans le sud tout court de l'Amérique, ouais. Quoi. Ensuite, Cap de Bonne-Espérance en Afrique. Ouais. Et enfin, Angleterre. Let's go. Nice. C'est quoi? Ah, c'est une ampoule. Il la faut pour réparer le. Ok. Ça. Il va me manquer une des bobines déjà. Enfin, encore. Et il manque un autre élément là. On voit le truc en. C'est en surveillance. Ah, c'est le. Ouais, c'est le. Projecteur, quoi. Projo, ouais. Ça, c'est quoi ça? C'était avec les maisons. Ça fait une maison en carré. J'ai une petite horloge. Une toute ouais, petite horloge. Tout à l'heure. Ah, y a un chemin en dessous d'ailleurs. Bah, je l'ai pris tout à l'heure. Non, mais bon. tu peux la bouger l'heure. Ouais, je ne sais, ouais. Mais je pense qu'il doit y avoir une heure quelque part, genre. Et j'ai ça là, j'ai cette boîte là, regarde. Ah, y'a un tiroir dedans. Oh, y'a trois bijoux. Mais y'a un lapin dessus. Ouais, je sais bien, je sais que c'est l'énigme du lapin. Ouais. C'est quoi, c'est une boîte à bijoux avec un jeton? Hop, les. Mais j'ai pas trop compris. Alors, ça, je crois qu'en fait, ça change les. Il y a une date, si tu veux, il y a 1860. 5937. 1860 et sur la peinture de tout à l'heure. Attends, tu l'as pris la peinture, non? Attends, bah, attends, pris, attends. 1. Non, il est là. 5. 9, y a pas. Pas 9. Ah ouais, ça c'est chiant ça. Ouais, tu vois ce que. T'as compris? Essaye de faire un 9. Ouais. Non, déjà, attends, fais un. Attends. Le 9, c'est le 0. Ok, fais un 1. Le 1 c'est le 0. 1 c'est 0. Le 2 c'est un underscore. Le 3 c'est un 8. Le 4 c'est un 5. Parce que, le non, 5 c'est un 2. 5, 9, 3, 7, mais j'ai pas compris. Ah mais attends, ok d'accord. Ok, 5 c'est quoi? Alors attends, je l'ai fait tous une fois. Le 5 c'est... Le 5 c'est un 4. Ok. Ensuite le 9 c'est un 1. Le 9 c'est un 1. Ok, 3 c'est non, quoi? Non, non, le 9 c'est un 0, le 9 c'est un 0. 9 c'est un 0. Attends. Attends, quoi? Le 9 c'est un 0, c'est pas possible. Si, si. Pas d'après la boîte. Ah bah. Je te jure que là je clique sur 9, ça fait 0. Ça fait, je clique sur 0, ça fait 9. Non, non, fais. Non, non, non. Non, attends, clique sur 5, c'est ça que je te demande. Ah! 5 ça fait 2. 5 ça fait 2, alors attends. Ok, 5 ça fait 2. Clique sur 9. 9 c'est 4. 9 c'est 4. Clique sur 3. 3 c'est 8. 3 c'est 8 et clique sur 7. 1. Je pensais que tu voulais l'inverse. Ah non, voilà, parfait. C'est bon, j'ai le machin. C'est pas compris. T'inquiète. C'est bon, j'ai le projo. Ok. Ouais, bah, il manque un élément, du coup, il manque la bobine. Ouais. Et c'est avec les jouets là. Il y a pas... Enfin, je pense que c'est les jouets, genre. Il y a une poupée gigogne, c'est toi qui l'a ouvert? Une poupée gigogne, non, une poupée russe. Poupérus, pourquoi je dis gigogne? Oui, je sais plus ce qu'il y avait dedans. Je crois qu'il y avait un jeton. Ok. Écoute, Daniel, ça va pas être ça. Je mettrai ça. Et là, l'horloge, doit y avoir un truc avec, non? Petite horloge là. Oui, mais je pense que c'est un jeton dedans. Genre. Il n'y a pas des trucs genre.
Merde. Ah. Parce que ça diffuse, mais il manque un truc quoi. Il manque une bobine, genre. Juste appuyer sur play sur le côté, genre. Ça réfléchit la lumière, mais c'est tout ce que ça fait, genre. Mais là, il reste un cadenas, là. Oui, mais j'ai pas, je comprends pas le dessin qui est dessus. Moi non plus. Soit j'ai pas, vu ça ce qu'il y avait. Trois cases avec un chapeau. Ça fait une maison. Ah, mais attends, c'est pas les jouets. Non. Je sais pas, ça fait bizarre. Je sais pas pourquoi ce serait les jouets. Parce que ça fait, ça ressemble à une maison en jouets. L'ascenseur est au cinquième étage. Je sais pas si c'est un lien. Jamais, hein. Tu vois quel tableau de la famille de tout à l'heure? De quoi? Le tableau, un tableau. Un tableau? Oui. Ah! Il y a une note, derrière. Ah, mais oui! 1876. Mais sauf qu'il n'y a pas des jouets dessus, tu vois. Genre. Mais en vrai. 1876, on s'en est pas servi de ce code-là? Non. Et il y avait sur la lettre, c'était 1860. Ouais, 1860. Le 24 novembre. Daniel and Lizzie with mom and dad. C'est quoi, tu vois, ils ont pas leur putain de jouer avec eux là. Bah après, c'est pas. Ça peut se trouver quand même parce que, genre. Avec plusieurs bah, photos, là, on peut oui. savoir, tu vois, il y a une meuf qui a un chien, il y a l'autre qui a un cheval. Il y a le chien et il y a le cheval. Sur la lettre, il y a quoi? Et ça dit pas des trucs? Attends, mais Daniel, c'est le chien du coup. Bah j'imagine. Bah ouais, bah du coup, let's go faire ça déjà. Et après, vis-à-vis de la lettre, il y en a qui ont voyagé, donc du coup, c'est les autres. Et c'est qui le cheval? C'est Lizzie ou. C'est Victoria? Victoria plutôt. Comment ça, plutôt? Bah, Victoria, c'est la mère. Ah. Non, attends, c'est l'inverse. Daniel, c'est le cheval. Ah, Daniel, c'est le cheval. Bah, Daniel, il est sur un cheval, donc. Et la mère, elle est devant son chien, donc la mère, ça doit être Victoria, j'imagine. Bah non, parce que c'est machin et machin with mom and dad. Oui, c'est Daniel and Lizzie with mom and dad, donc j'imagine que mom c'est Victoria. Oui, du coup Daniel et Lizzie c'est les gosses, ouais. Et mom and dad c'est... Et le père Victoria. Il est aviateur, donc c'est forcément le dernier. Voilà. C'est ça, voilà, exactement. Il nous manque quand même un élément. Super. Il y a un carton qui sert à rien, le carton, on est d'accord, il sert à rien. Un truc en fait ce qui nous manque c'est juste ce cadenas là. Et il faut qu'on trouve un délire avec l'heure, je suis sûr qu'il y a un truc à faire avec l'horloge. Vas-y, lâche tous les trucs que t'as sur toi juste histoire de attends voir, je repasse dessus vite fait. J'ai encore les boîtes à... Je vais voir avec toi, ouais. Je vais cliquer sur tes items que t'as dans les mains, genre. Ça j'ai le bouquin, y'a rien dedans, hein. Non, le bouquin non, y'a rien. Okay, j'ai la maison de poupée. Ah c'est ça, c'est la maison, non? Ah mais, attends, tu peux pas éteindre les lampes? Je peux rien faire. Parce que tu penses que le nombre de lampes allumées à certains endroits? Ouais, ah, parce que attends, regarde, ça ressemble à une tour, genre, tu vois. Ça fait 3 cubes ah. plus un toit. Ah, attends, il y a des étages, ça ferait 1. Ouais, ça. 1, 2. Ou non, alors attends, non, attends, à chaque étage, ça ferait 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 7, 1, 2, 3, 4, 5. C'est ça. 2, 7, 5. Et du coup là on a ce qui la bobine. Parfait. Hop, et là, play. Let's go. Ok. Eh bah putain, c'est pas facile hein. Et il restait 18 secondes, 17 secondes, 16. Putain, 16 ouais. secondes. Là, c'était chaud. C'était ouais. limite hein. C'est ça le problème d'être, entre guillemets, d'être à deux, tu vois. C'est que moi, par exemple, ça, j'avais pas du tout vu, tu vois. Bah, en fait, je l'ai dit au tout début et elle m'est sortie l'esprit. Ouais, mais enfin. Moi, j'ai non, mais ouais, mais moi aussi, elle m'était sortie l'esprit, hein. J'étais en mode, bah, elle est inutile. Ouais, c'est ça. Alors qu'en fait, rien. Enfin, potentiellement, rien n'est ouais. inutile, quoi. Et du coup, l'horloge, je pense qu'il y avait un truc, il y avait un jeton dedans. Ouais, du coup, j'imagine. Je pense. Enfin, je vois que ça sur un truc. Par contre, il n'y avait pas trop d'indices dessus. Mais... Alors, oula, ça commence à être satanique un peu, non? Ouais, un peu, ouais.
J'ai un petit bonhomme ça. Qui a une lettre C sur lui. Hello, hello. Là, il y a des fleurs, va falloir faire un truc bizarre, un mélange chelou là. J'ai un mannequin. J'ai un mannequin avec un B dessus. J'ai un film de Zootrop. J'ai un. C'est un jouet. Voilà, j'ai des trucs. Ok, alors ça il va me manquer. Saturne, la Terre, Mars. Ah, ça, j'ai l'énigme, je pense. Ici. Donc, mais normalement, Jupiter. Alors ça j'avais compris. Je sais comment ça marche ce truc. Normalement. Ah, bah, je prends les bougies. Je suis censé voir un dessin qui se fait en fait. C'est un 8, c'est ça? Il se passe rien là. Il se passe rien. C'est un 8. Ah, j'ai un mannequin. Donc, ok, j'ai potentiellement un 8 et un C. Moi j'ai un B sur un mannequin. Il y a un moulin là, ok. Il va falloir. De l'encens, j'ai une recette d'encens. Ah, encens psychique à brûler, millions de cloches. Millions de cloches entières, feuilles de mandragore entières. Ah, ça. Tu vois à quoi ça ressemble ou pas? Tiens, regarde avec moi juste parce que bah il y a. Alors, c'est quoi? La recette doit être suivie. Millions de cloches, feuilles de mandragore et amandes. Alors, amandes, je sais. Mais doit être suivi dans l'ordre, ok. Donc, les amandes, on les a là. Et les feuilles et les machins de mandragore, il va falloir savoir à quoi ça ressemble. Les amandes, ouais. Mais c'est feuilles, genre. C'est pas écrit ce que c'est, non. C'est une espèce de table de Ouija. Et là, il y a un jeton, hop. Ok, là, il y a un bouquin. Botanique illustrée, bah voilà. Ah, feuille parfait. De mandragore, ok. C'est quoi l'autre? C'était. Millions de cloches. Millions de cloches. Attends, y'a rien qui s'appelle million. Ah, 6 millions de cloches. Calibra. Alors, feuille de mandragore, fais voir. Merde. Fais voir un peu la gueule des trucs. Fais voir un peu la gueule des trucs. Écarte-toi un peu, s'il te plaît. Yep. Que je vois la diff. Merde. C'est un boy show. Donc c'est pas celle-là, c'est pas les longues. C'est pas les longues. C'est pas celle-là, donc c'est. Ah, mais attends, faut les faire dans l'ordre, mec. Faut les faire dans l'ordre. C'est dit sur Tarset qu'il faut le faire dans l'ordre. J'ai enlevé des trucs. Non, mais en fait, okay. J'ai les concassés avant. Donc alors, attends. Et du coup, je les remettrai après. Ah, y'a ça. C'était donc millions de cloches, feuilles de mandragore et amandes. Les amandes, elles sont déjà mouillées. Comment tu mets dedans? Tu fais espace pour que. Et après, tu drag and drop. Enfin, tu zoomes dessus d'abord. Ouais, mais ça marche pas, moi. Pas drag tiens, dis-moi lesquels c'est, je veux le faire. Alors, c'est tout en bas à gauche. Ah, bah attends, tout en bas à gauche. Ouais, ensuite tout en haut à droite, la bleue. Donc. Et ensuite, c'est les amandes. Donc, tout en bas à gauche, c'était vert. Mm-hmm. Wesh, il va dedans. Non, mais il veut pas être dedans. Attends, mais. Mais. Toi aussi, t'as un petit bonhomme sur toi, je vois. Ouais. J'ai une lettre B dessus. Et ton bonhomme il fait une forme je crois. Il fait un 8. Ouais. Moi il fait un 2. Attends, je te l'ai mis là. Ok parfait. Putain mais ça marche pas cette merde. Jupiter, Saturne, la Terre, Mars. Moi ça a fait bugger le truc. Donc c'était en bas à gauche. Ok. J'ai touché les amandes dedans tout à l'heure genre. Ok, là, j'ai un bonhomme qui fait un 1. Mais... 1, 2, 8. Ne dis pas que ça fait bugger le truc, genre. Ok. La Terre. Il nous faut deux autres planètes, là. Les mains du cosmos, là, c'est quoi, ça? Tapis. Je crois que c'est bugué. Non. C'est un rond. En fait, j'arrive à poser juste les amandes dedans. Mais je crois que le pilon du. Le tableau, il est pas là pour rien, là, je le sens. On peut refermer ça. Ah, si, on va pouvoir refermer ça. Voilà. Ok, on peut sortir la tête par la fenêtre. Enfin, on peut ouvrir la vitre et aller ouais, voir dehors. J'ai vu, ouais. Pas pour rien non plus, je pense. J'sais c'est quoi pas. Ça? Balance, cadran solaire, sablier. Je crois que c'est bugué. Balance, cadran. Non, je pense pas, mec. Il y a un truc qu'on piche pas. J'arrive à foutre des amandes dedans, mais rien d'autre, genre.
Donc bon. Ça sera le tapis, ok. Et ça c'est quoi? Non, ça c'est un rond. Ça. Balance, cadran solaire, sablier. Ça n'a aucun sens, il n'y a aucun des trois. Bah on a un truc solaire là, à moitié genre. Où ça? Non mais ça j'ai déjà commencé à le remplir. T'as fait quoi? Ah oui d'accord, t'as fait, c'était les petites... Ouais j'ai mis Saturne et la Terre, il manque Mars et Jupiter. Je pense que c'est bugué gros. Tu penses? Ouais vraiment, bah en fait j'arrive à me foutre que des amandes dedans genre. Et en fait les amandes tu les prends dans la main, et juste ça les pose quoi tu vois. Genre les... Et c'est les amandes pleines que j'arrive à mettre dedans tu vois genre, paf, tu vois. Ah attends, relis ta recette, relis ta recette. Ah non mais c'est les feuilles mes couilles là. Les cloches je sais pas quoi. Ouais mais non. Ta recette a dit quoi? Est-ce qu'elle dit qu'il faut broyer tout? Non 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 non, en fait c'est tout en entier. Ah non c'est à brûler. Ah pardon. Donc tout est à brûler, en gros millions de cloches, feuilles de mandragore et amandes c'est à brûler. Donc en fait non non j'ai rien dit, il faut le mettre là dedans. En fait c'est juste c'était de la merde genre. C'est ça. Ça. Les amandes qui sont broyées du coup. Et ça. Waouh. On voit un truc non? T'es sûr que c'était en bas à gauche? Attends c'était... Bah... Tu m'as dit... On s'en fout. Tu m'as millions dit... de cloches. Les feuilles de mandragore en premier ça? Non, millions de cloches d'abord. Ah, les millions de cloches c'est les bleus. Donc bleu, vert et amande, ok. Deux, 4, 9. Ok. On va le faire sur tout. Fou, 2, 4. Là, il y a un truc chelou là. C'était pas ça. C'est ici, non? C'était pas ouais, ça. Ouais, je pense que c'est ici. Ouais, c'était ici. Ok, ça marche. T'as quoi là-dedans? J'ai un morceau de planche. Ok, ça va au milieu là. Au milieu. Je peux le mettre quelque part ou pas? Attends, il y a un seul alphabet, ouais. Hop. Ah, il va nous manquer un peu, non? Oui, mais du coup, enfin, c'est l'alphabet. Ah, mais attends, attends. 1, 2, 8. Ça ferait quoi? Ça ferait C. Attends. Là, c'est les A, humains. T'avais d'autres C, mannequins, genre? B. A. C. B. Non. J'en ai 3 mannequins. Et il faut combien de... Et il y en a un qui fait un 1, et l'autre qui fait ouais. Un 2, et l'autre qui fait un 8. 1, 2, 8. 1, 2, 8, et ça ferait, et... Ça ferait A, C, B. Et ça fait... Bah du coup, fais-moi A, B, C, genre. Du coup, ça fait 1, 8, ah. 2. Ah oui, d'accord, vas-y, c'est. J'imagine. C'est putain, ça. D'accord, j'avais pas vu ce cadenas-là, en fait. Non, mais c'est et... parce que j'ai fait le tour des cadenas. Et là, il y a Jupiter. Tac. Mars. Oui. Ça sort? Ouais, c'est juste que j'ai drop le truc. Merde. Hop. Ok. Oh là, on peut déplacer ses mains? Wow. Ah, il y a des boutons d'acupuncture sur ses mains. Oh là. Ouais. Il y a des schémas sur les côtés. Ah ouais, on peut lire ça. Mars, Jupiter, Jupiter, Mars, Neptune, la Terre, Vénus, Saturne. Ok. Alors, ton schéma, toi? Vas-y, ouais. Regarde. Ah d'accord, ok, toi, t'as cette main-là. Moi j'ai la main dans... j'ai la main droite. T'as une main gauche non? Moi j'ai une main... Moi t'as une main gauche toi. J'ai une main gauche. Moi j'ai une main droite, mais du coup... Ouais. C'est-à-dire... Les mains du cosmos. Bah c'est simple, on a Jupiter, Saturne, Mars, la Terre. Jupiter... Jupiter, ah, mais attends, Saturne, Mars, la Terre. Donc moi faut que je fasse... Jupiter. Jupiter, Saturne, Mars, la Terre. Attends. Tac, tac. Et tu sais, on peut les pin les trucs. Tu peux les mettre en haut à gauche. Genre, t'as un. Hein, comment ça? Bah, fais espace sur ta note. Pin là? Ah oui, oh, ouais. Bien vu. Et voilà. Ok. Alors. Jupiter, Mars, la Terre, Saturne. Dans quoi? Pourquoi il y a des boutons qui s'enlèvent? Tu peux faire dans l'ordre, non? Ouais, mais c'est quoi l'ordre? Ah mais non, putain, on est trop con, regarde mec, et chaque main il y a un seul truc à faire. Comment ça? Regarde en bas. Ah ouais, bah ouais, je suis con, ouais. Jupiter en haut à gauche. En bas c'est la Terre, donc la Terre c'est au milieu. Ouais, c'est bon de mon côté, moi.
Et là, l'autre, c'est Mars. Et Mars, c'est ici. Putain, let's go. La clé. Ok. La clé qui va... ici. La clé qui va là, sûrement. Du coup, là, il nous manque quoi? Okay. Il nous manque le truc avec la balance. Alors, j'ai un film de... film de Zootrope. Ah, bah voilà, parfait. Attends, je m'occupe de ça, je te laisse faire le reste. Moi aussi, j'ai un film de Zootrope aussi, moi. Ah putain, mais c'est moi qui l'ai, je suis trop con. T'es foutu là, j'en ai foutu le mien sur la table. Hein. J'avais tout à l'heure. J'ai un morceau de planche, YZ. Ok. Tac. J'ai un jeu de tarot. Attends, je comprends pas. Et j'ai une note. C'est pas le l'empereur que je l'ai vu pour la première fois. Très vite, nous sommes tombés amoureux. Pardon. Et nous avons rendu nos voeux devant le pape. Je dois être trop con pour voir quelque chose. C'est pas possible. Je vois à peine un 8 et un 6. Mais tiens, mais y en a un sur la table, il en manque un là. Ouais, non mais ouais, je sais bien, mais attends. Ah putain, c'est, j'ai compris, ok. Ok, ça c'est la toupie. Ça c'est la balance, ok d'accord. C'est bon, j'ai compris, c'est le cadenas qui est ici. Okay. C'est le cadenas qui est là. Okay. Donc ça sera balance, cadran, sablier, ok. Donc là c'est balance. Balance, je crois que c'est un 8. Oh putain, mais dégage de là toi. Bon, c'est un 8, clairement. C'est un 8. Cadran. Je fais un bail avec, avec un jeu de tarot. Balance, cadran. Maintenant, cadran, c'est quoi? 6, ok. Mais attends, mais comment je peux faire ça? Sablier, 3. Donc, 8, 6, 3. Oh, let's go, c'était ça. Ok, c'est bon, j'ai le dernier bout de. Alors, attends, moi je vais avoir un code. Du coup, ça fait 5. Il manque un bout de planche par contre. Ouais, attends, moi je vais avoir un code. Je sais pas à quoi il va servir, mais. Il reste un cadenas, vas-y, balance. C'est 6. Attends, ça va être 1, 6, 2. 5, 6, 2. Et fou, 0. Et ensuite. Elle était le monde. Le monde, c'est 11. What the fuck? Ah, 6, 2, 0, 11, c'est pas possible. Ah non, mais t'inquiète, attends, ça va faire des additions après, je crois. Le monde, à mes yeux, la bonne fortune. Fortune. C'est pas la fortune? Ah, c'est roue de la fortune, c'est 10. Et force, c'est 5, 6, 8, c'est 8. Ça fait quoi, ça, en tout? J'ai un 5, ensuite un 6 et un 2, un 0, un 11, un 10 et un 8. Oh, attends, oui. Est-ce que c'est un rapport avec le tapis, ton truc? Non, c'est un rapport avec le dos des cartes. Non, y'a rien sur le dos des cartes. Ah, si, c'est ça, ok. C'est pas un tapis, mais c'est un dos de cartes, ok. Ok, c'est bon. Donc c'est j'ai trouvé l'endroit où va le code. Ok. Donc tu m'as dit. Donc au début tu vois ça fait un 5. Le 5 il est tout seul. Ok, 5 tout seul. Ensuite le 6 et le 2 ils sont ensemble. Ouais. Ensuite le fou il est tout seul, donc le 0 il est tout seul. Mm-hmm. Et ensuite le 11, le 10 et le 8 ils sont ensemble. Mm-hmm. Après, tu veux faire ça avec quoi en fait? C'est le code qui est là à la fin. Enfin, il n'y a pas de dead, j'ai juste trouvé où là où ça va en fait. Ah ouais. Du coup, ça ferait quoi ça? Ça ferait 5, ça ferait 8. Mais attends, fais voir. Et ensuite, parce que regarde, j'ai cette note là. Quand je te drop, tiens, regarde-moi avec moi cette note là. Vas-y. Alors. Et en gros, tu vois, ça associe les cartes. Genre, ah, mais non, mais c'est j'avais pas vu le plus et le moins. Enfin, j'avais vu le plus, mais j'avais pas vu les moins. Donc ça fait 5, 2, 5, 6, 5, 8. 0. 8, 0 et 10 moins 11 moins 8. Attends, 11 moins 10 moins 8. Hein? 11 donc moins 10, moins 7. 1 moins 8, ça fait moins 7. On va essayer 7. Hein. C'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. C'est pas 5, 8, 0, 7. T'as bien lu l'histoire? Il y a 3 moins. Bah attends, le monde. Est-ce que je me suis planté? Putain, mais la note, voilà, mais là-haut. Donc, attends, vas-y, lis-moi la note, ça va être plus simple. Attends, pardon. Sinon, je l'ai. Elle est où la note. Non. Elle est par terre. Alors. Ah, mais c'est pas le 5 au début aussi? C'est au bal de l'empereur que j'ai vu pour la première fois. Et empereur, c'est 5. Ok. Très vite, nous sommes tombés amoureux et nous avons prononcé nos vœux devant le pape. Donc, il y a amoureux, vœux et pape. Hello, Lisa. Non, il y a que amoureux et pape. Okay. Amoureux, c'est 6. Et pape, c'est 2. Ok, donc ça fait 6 plus 2, donc 5. Ah, attends, il y a des lettres aussi sur le jeu, sur les trucs.
Je pense pas que ça joue. Hein. Il a l'air sympa le jeu. Ouais, c'est un petit jeu d'énigmes bien sympatoche. Donc pour moi, ça ferait 5-8 là. Ouais. Ah, ce que ensuite, j'étais fou, donc c'est le fou. Le fou, c'est 0. Ok, donc ça fait 5-8-0. Et ensuite. Ouais. Ensuite. Elle était le monde à mes yeux. Donc le monde, c'est. Ah, c'est 21, putain, je suis trop con. Ah, ok, 21. Mais la bonne donc, fortune. Moins. Donc fortune. La roue de la fortune, c'est 10. Ok, donc ça fait 11 en tout. Et de notre côté, le la temps. Force. Le temps. Attends, attends. Pas c'est de notre côté, avec le temps, notre. Mon frère dit la force, ok. Donc 5, 6, 7, 8, ça c'est 8. Donc ça fait 11 moins 8, ça fait 3. Ok. Ça fait 3. Donc ça fait 5, 8, 0, 3. C'est le plus simple. C'est ça. En effet, j'ai mal lu les chiffres. Parfait. Romains sur les cartes. On a le dernier bout. Et la pièce est fermée. Oh là, oh, regarde. Aïf de Rogle. Attends, il y a des bougies qui sont allumées, qui sont éteintes, non? Ouais. V. O. I. D. V-O-I-D. Void, pour l'instant. Ça fait void. Voilà. Là, ça fait tout s'est rallumé. V. J'aime pas trop les tables de Ouija. V-O-I-D, ouais, non plus. Ok. Oh là! Ok, c'était ça. Oh là, le spiritisme, là. Il reste combien de temps, là? Ah bah c'est... on a perdu. on a perdu. Oh putain, c'était la fin, c'est dommage. Dommage. Attends, pourquoi la sortie est sous la table qui vole, genre? On n'a pas perdu énorme parce que la dernière fois que j'ai regardé, il nous restait que une ou deux minutes. Donc ouais, mais on a perdu trop de temps en vrai, enfin j'ai fait une erreur. Ah ouais, non mais tous les deux, hein, t'inquiète, hein. J'ai rien bité ce qui se passait. Ah ouais, c'était sympa. Ça a changé un peu comme ça. Il était dur. Ouais, mais j'ai perdu trop de temps, je pensais que c'était tout mélangé, j'avais pas lu que c'était... C'est la fin, ça, non? Il reste un épisode quand même. De ça. Ouais, il reste encore. Il reste le lab souterrain, oula. Putain, j'ai mal au dos. Ah. Ah. Faut faire du sport, monsieur. Je deviens une vieux. Il faut faire du sport. Ah, je deviens vieux, c'est tout. Non, mais si, c'est moi qui deviens vieux, t'inquiète. T'inquiète, tout va bien. Ah, bah c'est plus gentil là. C'est plus gentil. Ah, en fait, Lisa, j'ai regardé Enkento. Juste pour un jeton. Ah, regarde, assistant. Ah. Ah, un œil de chèvre, mec. Oh, j'ai des espèces et tout. L'origine des espèces, c'est... Ok. Pas sûr que ça serve. Du coup, oh, le magnifique papillon. Ah si, bah l'origine des espèces, ça va nous servir ici, du coup. Oh là, attends, moi j'ai un journal de bord, avec des dates et quelques symboles. J'ai un zèbre. Ouais, franchement, Encanto était incroyable. Le film était vraiment insane. J'ai vraiment trop kiffé. J'ai un zèbre, j'ai un éléphant. J'ai une plaque avec écrit « grenouille ». Moi j'ai une mouche. Ah bah tiens, regarde. Ça va, grenouille. Voilà, les... Ouais. On a qu'à les poser quand on les trouve, comme ça on les perdra pas. J'ai un éléphant là et j'ai un zèbre aussi. J'ai un morceau de... Oh! J'ai un morceau de papier, alors fais gaffe parce qu'ils sont pas très gros, avec l'espèce de dessin de l'homme de Vinci. Ouais, ok. Et il y a un bout seulement. Alors... Des ciseaux, zèbre, ok. C'est... 1, 2, 3, 4 et là ce serait 2 du coup, j'imagine, vu les traces de... Serpent, ok. Il manque plus qu'une dalle. 5. Donc plus qu'une dalle. J'ai une note, j'ai un bout de note moi, avec le reste du dessin de Vinci, tiens. Ok, ça marche. Y a pas tout. Le lion. Il manque un bout encore. Le lion, ça ferait un. Il manque un troisième bout. Ok. Tu vois, dans une semaine, tu connais toutes les chansons par cœur. Bah, déjà, j'ai vu que la chanson de Bruno a été insane. Bruno. Ne parle pas de Bruno. Le zèbre. Il y a un délire avec le zèbre quelque part. Il y a des bails, regarde, il y a des bails avec les pattes. Regarde, là, si tu regardes là, tu vois, zèbre et tout. En fait, zèbre, j'ai tout. C'est cochon, ok. Ça, c'est un tigre, ça, c'est un ours. Et ça, tu vois, il y a leurs traces de pattes au sol qui guident à quelque part, tu vois. Ah. Tu vois, c'est l'éléphant, tu vois, qui va ici. Enfin, qui va par là, okay. Qui vient jusqu'ici, tu vois. Ok, donc le zèbre, c'est ça. Le zèbre, c'est les deux pattes, c'est ici. Ouais, c'est ça. Il y a une spatoule, mec. Oui, une rose. Bouge pas tout. Espèce grenouille, rose, serpent, mouche, et il en manque un. Et en plus, c'est un bail avec leurs ailes au papillon. Talk about Bruno, c'est celle qui a dépassé. Ouais, justement, c'est ce que je suis allé voir après. Oh putain, mais en fait, il y a 50 clés à trouver en fait. Je crois que c'est le dernier truc, mec. Mais quoi? Lion, cerf. Ah oui, putain, la vache. Mais là, il y a des chiffres sous les lions, enfin sous les animaux. Ah, mais c'est leur nombre de pas, je suis con. L'arnaque, l'éléphant il va pas là? J'ai trouvé, t'inquiète. Ok. Tu vois, rien, il y a un nombre de pas qui font, genre, en gros.
Il y a 1, 2, 3 pour le zèbre par exemple, je pense que c'est ça. Non, il y en a. Oui, c'est le zèbre. Le zèbre, il y en a 3. L'éléphant, il y en a combien? Il y en a 1, 2, 3, si 4, 5, 6. Le cerf, il y en a 1, 2, 3, 4. 6. Et 7. Le lion. T'as fait le lion ou t'as fait l'éléphant? J'ai fait l'éléphant. Le lion, il y en a 1. Il y en a 1. C'est lui là, le lion. Il est tout seul. C'est quoi la différence entre le cerf 3, et le. 4, le... 5. 5, le lion. Ah, et t'as fait le zèbre? Ouais. Il y en a que 2 le zèbre. Mais non, il y en a 3, regarde. 1, 2, 3. Ah oui, 3, j'avais pas vu au-dessus. Mais ça n'a pas l'air de marcher pour autant. Le lion, il y en a une là, là. Tu l'avais vu? Oui, il y en a 1, 2, 3, 4, 5. Il y en a 5, on est d'accord. Donc le lion, c'est 5. 3, 4, 5, 6. Le cerf, c'est 1, 2, 3. Ah, c'est 4. Ça, hein. Oh. C'est 4. Et l'éléphant, t'en as compté combien? 1, 2, 3, 6. 4, 5, 6. Ouais, 6, ouais. J'ai le logo, enfin le logo, le symbole addition en... Où ça? À l'arrière de la photo qu'on a reconstitué. Qu'on a, on est en train de reconstituer. Ouais, ok. Truc du nombre premier là. Les yeux. Oh wow, ça fait flipper de fou. Ouais. Il y avait pas un bail avec les yeux? Non. Je sais pas du tout. Attends, je vais essayer de regarder. Avec, j'ai un bail, rien, j'ai le, ce bouquin là, j'ai un bail avec des animaux là. Tiens, par terre derrière toi. Et c'est lié à ça, je pense. Il y a la mouche et il y a la rose, et du coup là. Et là, il y a des bails de papillons. Lapin. Ah oui, d'accord, ah, donc on va du plus ancien au plus. Ok. C'est quoi ces marques? D'abord. Ouais, c'est... Ok, c'est donc les ensuite le serpent. T'arrêtes de bouger. Il doit aller là, je pense. Ensuite, c'est quel bouquin celui-là? Serpent, ensuite grenouille, lapin, rat. Oh, mais putain, grenouille. Mouche rose, il me reste. Mouche rose. Je peux pas toucher à ça, genre. Donc c'est mouche puis rose. Ok, il manque juste la première la plaque qui doit être un aigle, normalement, je pense, si j'ai bien tout compris. J'imagine. Là il y a un bail avec une peau de zèbre sur le côté de... Ouais je sais bien, mais je sais bien, c'est ce que je te demandais tout à l'heure, mais... Il y a un arrosoir là. Non, ok. Il y a des marques sur le zèbre. Sur la statue de zèbre. Mais quelle statue? Mais où est-ce que t'as vu des statues toi? En fait elles étaient posées là-dessus, et je les ai récupérées avant. Ah. Et là il y a des marques dessus sur le zèbre. Ça fait 1... 1, 2, 3, 4, 5... 1, 5... 2, 3, 4... 1, 5, 4, 3... C'est ça le code? Non. Non, bah je sais pas quel ordre du coup ce serait. Il balance le zèbre, je vais regarder. C'est sur les pattes, je vois c'est colorié en vert, mais... Du coup ce serait 4, 3, 1, 5, peut-être. Mais non, c'est écrit sous les sabots le nombre. Ah, 4. J'ai compté les marques vertes sur le côté, genre. Ouais, j'ai vu. 1, 2, 3, 4, 5, donc ça fait 5, 4, 1, 3. Ouais, c'est ça. Ok, j'avais pas capté l'entièreté. Pas capté, pas encore capté. Un code, tiens la note du. Ah, parfait. Oh, une boîte à clé à code. Merde. Là, j'ai une petite souris dessus à moitié. Mais super, ça fait pi, et je sais plus ce que c'est, epsilon, je crois. Pi epsilon, super, on est content. Ah, mais la tête de rat, bah la tête de rat, regarde, elle va là-dessus. Enfin, genre, c'est lié à ça. Tête de rat, ok, mais. C'est la même tête en fait. Et ouais, coup, d'accord, mais pi epsilon. C'est pas sur le dessin derrière. Du coup, ce serait pi, ce serait 314, là, le truc de la boîte. Ouais, mais epsilon. Mais en fait, regarde, vas-y, donne la boîte, tu peux voir. Ouais. Genre, t'as exactement la même photo, on reprend ce qui est écrit au niveau de la photo, tu vois. Ah, donc, bah. Attends. Non, ça peut l'air d'être ça. Non. Pi epsilon, y'a pas d'autre symbole pi epsilon ici. Et puis les papillons qu'on n'a pas encore regardé là, il y a combien de papillons? 1, 2, 3. Je sais rien, je sais ce que c'est le truc des papillons. C'est les pots de fleurs, regarde. Les bleus ils vont sur le grand trait, petit trait. Enfin, petit trait. Genre. Ah, bien vu, ok, d'accord. Les bleus ils vont sur. Ça va être petit trait, petit trait. Je peux pas bouger ça? Si, ok. Ah, je pouvais pas le bouger moi. En fait, je peux en bouger que un là. Petit trait, grand trait, attends. Quoi? Ah, moi je peux bouger tous les autres? Ah bah. Bah parfait. Ok, c'est full bugger. Ok, le vert, attends, les verts ils sont là, ils peuvent aller sur double. Attends.
Donc moi je vais faire celui que j'ai qui peut bouger. Double trait. Donc vert, ils peuvent aller sur double trait, donc c'est celui-là. Celui-là, il va là-haut. Ok. Je le mets là sur le côté, comme ça tu peux bouger l'autre. Les jardinières, elles sont... Donc les gros... deux gros traits, c'est quoi? C'est des violets. C'est pas les mêmes violets. Ok. Ouais, les grandes barres. Deux gros traits, c'est ça. Et... lui, il va en haut, le jaune bleu, okay. Il va en haut. Nice. C'est parfait. Une clé. Clé. Où ça va? Elle va là. Dans un cadenas, j'imagine? Non? D'accord, très bien. Elle va là. J'ai pas testé autre part avant. Donc ça, on a toujours pas résolu le truc, le bail. Y'a pas des trucs sur les... sous les pattes, sur les... Non, le lion, y'a rien du tout. Le cerf, y'a pas un bail dessus, non. Que dalle. Mais putain, tu m'as pas dit depuis le début, y'avait l'aigle. Où ça? Bah, dans le truc que t'as ouvert tout à l'heure. Ah bah j'ai pas capté. Ok, genre, deuxième clé. Premier degré, j'ai pas capté qu'il y avait ça. Hein. Je l'aurais bah dit. Bravo, Nils. Ok, deuxième clé. Attends, un regard insistant. Il y a plusieurs yeux. Oui. On a toujours pas le bail du rage. Hein. Ok, c'est un code à trois chiffres. Parce que j'ai essayé plusieurs yeux et au bout de trois, ça reset. Ah d'accord, ok, faut sélectionner les bons. Où est-ce qu'on a des yeux? T'as pas une note, un bouquin, sur quelque les, chose? Sur les animaux, les statues d'animaux. Bah c'est les yeux marrons pour un cerf. L'éléphant, il a quelle gueule lui? Des cerfs. Rouge comme ça, et le zèbre, ils sont comment? Ils sont... Et puis, ouais. Si on a que 3, on a 4 statues, c'est... Ouais non, c'est pas logique. Est-ce que j'ai un bouquin, l'origine des espèces, est-ce que j'ai un délire là-dessus? Non. Là, le rat non plus. Ça, c'est quoi, ça? Ça... Alors, si, soit je dois avoir quelque chose. En fait, depuis le début, je crois que j'ai un bouquin qui est important. C'est bien ce qui me semblait, du coup. Puis, petit par la nuit, je n'oublierai jamais ces sons horribles. Oh, moi, je fais un rêve étrange, j'ai derrière des profondeurs de la forêt, un regard aux pupilles étroites et de couleur d'or. C'est celui en bas à gauche, du coup? Ensuite... Je suis arrivé à la mer d'Azur avec une île toute ronde dans son centre. Ok, c'est celle-là. Je n'arrive pas à oublier mon rêve. Il me hante encore, je me sens toujours observé. Je me demande si je dois aller... Ah putain, mais il y a des fautes. C'est vrai, j'ai un peu... Pourquoi? Mais je commence à perdre confiance à l'équipage. Même rêve, j'ai vu un homme bon se battre. Pendant que les autres regardaient en chuchotant, je ne pouvais réussir à les compromettre. Ah ouais, c'est simplement le souffle qui a coupé les alentours, son tapissier de feuilles mortes avec au milieu un trou sans fond vers le néant. Tapissier de feuilles mortes, donc c'est un trou que... vert, je pense. Parce que le premier c'était celui-là. Et moi j'ai mis celui en haut à droite, après c'est celui qui me paraissait le plus logique. Ouais, un trou sans... Donc sinon c'est celui-là, genre. Ah, feuilles mortes, ouais, celui-là, ouais, c'est marron, ouais, c'est vert. Ok, ok. Et ça nous libère pas grand-chose. Bah en fait, ça ne nous libère rien parce qu'il nous manque deux. En fait, clés. les énigmes sont bonnes en elles-mêmes, je pense. Ça me fait chier parce que je comprends pas si il y a autre chose à faire, tu vois. Du coup, a priori, c'est pas bon vu le bruit que ça fait, mais. Mais je comprends pas ce que c'est autre que les traces au sol, tu vois, genre. 6. Mais mec, tu sais pas compter. De quoi? Ah non. Bah lion, il y en a 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah ok, c'était ça. Attends, comment ça le lion, il y en a 6? Bah 1, 3, 4, 5, 6. Ok, j'avais pas compté celle au sol. D'accord, ok. Ça fait quoi? Ah oui, il y a une clé, d'accord. Une clé. Ça c'est fait, ça c'est fait. Les papillons c'est fait, ça c'est fait. Bah qu'est-ce qu'on a pas fait? Life capture. Allô. ouais. Pourquoi il y a... C'est normal, il y a que la rose qui clignote encore? Qu'il soit allumé. Quoi, il a allumé la rose, il y a un truc dessus? Non, il y a rien dessus. Mais attends, il nous manque quoi là? Bah je sais pas mec. Ah la valise, c'est ça qui nous manque, la valise. Valise là. Quelle valise? Celle-là là. Ah. Le rat, ah oui, bah le fameux rat. Putain, le ratus. C'est pas 3-14, bon alors attends. On a quoi comme info sur lui? Suivi par le... Ah attends, putain, c'est tout, la réponse est autour en fait. Le premier était le nombre de membres, donc 8. Suivi par le nombre de membres touchant pi. Touchant pi, donc 4 j'imagine.
Le dernier nombre est composé de ceux pointant à l'ouest. Donc, 2, entre, ouais, 2, 1. L'ouest, je sais pas moi. Bah, 1, en vrai. 1. Il y en a qu'un qui va vraiment à gauche, tu vois. Ouais, 1. 2, 8, 4, 1, du coup, ce serait 8, 4, 1, bah 8, 4, 2 alors. Non, 8, 4, 3. Attends, mais touche en pi. Touche en pi, je comprends pas parce que. Pi, il est là. Il est au 2 au pi. Ouais. Bah, du coup, 0, non ? Vas-y. Non. Le nombre de membres. Parce que le nombre de membres, on est d'accord que c'est 8, hein. Bah, il y a 4 mains, enfin 4 bras, 4 jambes. Oui, c'est ça, c'est ça. Le rat. Lisa. Les rats. Nombre de membres. Suivi par le nombre de membres touchant pi. Touchant pi. Oh, il y en a 4, non ? Ah, ouais, je pense aussi, hein. Hmm. Pour moi, c'est 8, 4, et ensuite. Se pointant à l'ouest. L'ouest, c'est forcément. Il n'y en a forcément qu'un seul. Ou deux, à la limite. Mais c'est. Ouais. J'ai essayé tout, les 8, 4 et j'ai essayé toutes les combinaisons. Hein. 8, 4 et toutes les combinaisons ? Ouais. Donc, il y a un truc qu'on pige pas. 2 membres touchant pi. On peut voir la feuille. Essaye 802 et 803. 802. Non. 803, ça marche pas non plus ? Non. Alors, le premier était le nombre de membres. Ah ouais, mais bon. Suivi par le nombre de membres touchant pi. Pas trop, mais. De quoi ? Le dernier. Pas touchant pi, ça n'a aucun sens. Le dernier nombre est composé de. Attends, je te le donne. Quand on le reste. Merde, c'est pas ça. Hein. Tiens. Je te donne la valise si tu veux faire. Vas-y, vas-y. C'est fini, on a perdu. Ouais, mais faut comprendre. Touchant pi. C'est-à-dire. Ah, mais c'est parce qu'on peut. Elle était pliée, la feuille. Hein ? Genre, regarde, elle est pliée si tu la prends sur le côté ou sur le dessus. Tu peux la replier ou pas ? Bah, c'est ce que j'essaie de faire, mais je suis pas sûr. Mais du coup. Ouais, c'est pas ça, c'est pas assez obvious. Bah, ça me paraît complexe quand même, genre. Touchant pi. Le nombre de membres touchant pi. Il y en a 4. En vrai, ça ferait 4 forcément, tu vois. C'est forcément 4. Et le nombre de membres en tout, c'est 8. Ouais. Et ensuite, le dernier nombre est composé de ceux pointant à l'ouest. Ah ! Il y en a deux, du coup. Même deux, ça, fait marche, ça marche pas. Non, trois en vrai. Bah, ce que je disais, ouais, c'est trois, mais ça marche pas. Parce que tu regardes au niveau des pieds et des mains, il y en a trois vers la gauche et les restes vers la droite. Et je les capte pas, du coup. Je sais pas, on va prendre les indices. Hein. Ils sont où, le truc d'indice ? Il est là. Vas-y. Alors. Oui, du coup, ça, il nous explique qu'il y avait une boîte, etc. Ça, ok, on l'a capté. Je peux plus le réutiliser, du coup. Ah, c'est dommage, ça. Faut peut-être attendre. Ah, il se recharge, non ? Ah, j'imagine. Du coup, ça fait chier. Non. Il t'a dit quoi, le... c'est quoi l'indice ? Tiens, regarde-le. Mais c'est juste pour trouver la boîte, tu vois, genre. Ah, super. Le nombre de membres. C'est de faire avec la perspective et tout, genre, tu sais, de. Attends, je suis en train de réfléchir parce que c'est... pourquoi il y a un rat au milieu ? Pourquoi il y a une tête de rat ? Ah, c'est pour nous indiquer que c'est là que vient l'indice, enfin, c'est de là qu'on va trouver la réponse, non ? Je sais pas, c'est lié au rat. J'en sais rien. Bah, du coup, ce serait 4. Il y a 4 membres, le rat. Ouais, je sais rien. Et le reste n'a aucun sens. Bah, ouais, du coup. Tiens, un deuxième indice. Hop. Allez, putain, mais genre. C'est quoi l'indice ? Oui, bah, on associe l'image et ça fait le truc de... Putain. De la merde, mon indice. Ça nous aide pas. Bon, en même temps, c'est pas fait pour nous donner la réponse non plus, mais. Je pense que le prochain sera bon. Ça, on avait compris, hein. Bah ouais, en fait c'est le problème, c'est qu'on a capté ça, mais... Je captais, frérot, je captais.
Du coup, le dernier c'est 3, c'est forcément 3, le premier c'est forcément 8. En vrai, faut essayer tous les trucs en commençant par 8, finissant par 3 et tu les fais tous un par un, genre. Ouais, c'est bien. Le temps que l'indice pop le dernier indice, quoi. C'était 6 ou 7. 6 ou 7. C'était quoi le deuxième truc? Champi. Champi. Mais ouais, j'ai pas compris. Attends, je vais utiliser le dernier indice parce que j'ai pas capté. Putain, j'ai ouvert. D'accord. On peut demander l'indice quand même ou pas? Je peux plus rien faire. Ah merde. J'irai voir la soluce en vrai. Mais j'ai pas compris. Attends, faut que j'aille voir la soluce. Non, attends, j'ai peur de me spoiler en fait. Ouais, bah oui, j'avoue. Mais Ah merde. Je piche pas. J'ai pas compris du tout. On va faire voir l'image. Tiens. 8. Ok. Le nombre de membres touche en pi. Et c'était quoi? C'était 7 ou 8? Alors c'était vers c'était la fin de... C'était 6 ou 7. Putain. Ça doit être 6, vraiment... j'imagine, ça doit être symétrique. J'ai vraiment rien compris du coup. Attends, je crois que j'ai compris. C'est quoi? Attends. C'est bon, j'ai compris. C'est quoi? Ah putain, pi il est dans un rond. Regarde le nombre de membres qui touchent les bords du rond. Oh! Ah ouais, la vache. Alors là. Wouah, mec, il y a 6 membres qui touchent les bords du rond. Wouah, putain! Ah franchement, bravo. Enfin, bravo. Putain! Ah ouais, non mais. Wouah, putain! Ça aurait pu nous prendre des heures juste à trouver ça, genre. En vrai. Wouah! Oh la vache! Ah, c'était la dernière salle de ce niveau-là. Ah bah putain, on comprend, hein. Oh la vache. Oh mon cerveau, mec. Ah ouais, bah déjà, tu l'as trouvé, frère. Ouais. Bien joué, hein. Et pas sans peine, putain. Ah, oh, c'était compliqué, et, hein. Bah, on a mis beaucoup de temps. Oh. Un chapitre. Ah ouais. Putain, un chapitre en 1h30, là. Ah wow. Ouais, là, ça... Ah ouais, non, mais pas facile. Vous l'aviez dans le chat, vous? Parce que moi, j'étais en pelle, Zadan. Wouah, ok. Ah ouais, non, en pas vrai, facile. On dira qu'on a le droit à un indice par niveau. De toute façon, à partir du moment où on est bloqué, on a perdu ou quoi. Non, mais pour l'aide du chat, c'est comme ça, il y a des idées. Genre, on n'a pas un vrai indice, tu vois. Ah oui, d'accord, ok. On a peut-être un indice qui nous met dans le mal. Ouais. Donc ça les réveillera un peu dans le chat, si y a encore des gens. L'étoile de l'Est brille. Non, j'étais en mode, peut-être que ça tombe. Peut-être que la tête ça compte comme un membre MDR. Bah, en vrai, je me suis posé la question, tu vois. Je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas aussi la queue du rat qui compte ou je sais pas quoi? Non. Oh, on est dans notre God of War là. Ouais, alors à la base c'est Omega, mais ouais. Je sais, tu me blagues. Il y a un mot de passe avec des signes de. Des bots. De chess, enfin de échec. Les ouvriers ont peint sur les schémas de câblage. Ok. J'ai un Omega sous la truc là. Moi j'ai un vert. Et bien utile quoi. Mais okay. J'ai un vert mais je peux remplir de l'eau chaude ou de l'eau froide moi. Ah ouais? Ouais. Ah chance. Ok mec, alors rien ne va plus, j'ai un stylo. Attention. Oh, j'ai un stylo que je peux cliquer mec. Waouh. Attends, ça va peut-être servir en vrai. J'ai une carte de 30 ans anniversaire et j'ai une agrafeuse mec que je peux agrafe. Je peux utiliser. Une agrafeuse que je peux utiliser, ok. Ensuite, j'ai rien là. Et là, c'est quoi? Indice, échappe-toi par le bureau B4. Ok. Omega Corporation. Oh, on peut tourner l'écran, mec, regarde! Par contre, GG. Trop fort. En fait, c'est le nom du truc, Omega Corporation, donc c'est normal qu'il y ait... Omega. Alors, nom du visiteur, heure d'arrivée. Il y a Emma qui est jamais repartie. Elle est morte. Il y a Adam, 10h15. Jane, 11h, etc., etc. Ok. Là, la photo de la... C'est quoi, c'est Nabart ça? Non. Il y a une heure d'indiquer avec 3 aiguilles, donc c'est chelou. Rayon X, ok. Confisqué. Avertissement. Ça, c'est le panneau okay, qui dit ce que t'as pas le droit de faire. Là, il y a de la flotte. Ok. Confisqué. Ok, j'ai des trucs d'échec du coup. Mais sur le schéma de câblage.
Il y a un espèce d'arbre généalogique des fruits. Oh ouais, j'ai vu ça, mais voilà, il y a un jeton. 10, 10, 10, 10, ok. Super utile, ça. Je pense que ça, c'est le code, enfin là, il y a les pièces d'échecs et c'est le code ici. Ouais, ouais, clairement, clairement. Mais je sais pas dans quel sens, ni pourquoi. Doit y avoir un... doit y avoir une... Oh, il y a une caméra, mec, on est surveillé. Ouais, oh. Salut. Ah, il te suit, toi? Ah ouais. Eh, mais c'est pas moi, je peux faire ce que je veux, en vrai. En vrai, c'est badant, genre. Un peu. Plan d'évacuation, alors attends. Il y a un plan d'évacuation, bureau B4. Bureau B4, il est là. Et on est où, nous? Y a pas un petit truc, vous êtes ici? Non? On peut pas passer les trucs au rayon X, genre? Je sais pas, on peut pas passer les objets, là. Une botte. Et là, il y avait un jeton. Et là, du coup, il y a... il y a un mot de passe. Mais c'est un mot de passe, c'est en 4 chiffres, non? T'as pas essayé? Non, j'ai pas essayé. Oh non, c'est 2, 4, 6. Mot de passe oublié, mon âge, ma beauté préférée. Ah, bien vu! Gauche puis droite. Alors attends. Mon âge, ma beauté préférée rose. Gauche puis droite. Ma beauté préférée rose, il y a bien un truc rose dans le. J'ai pas capté là. Dans le bureau. Ma beauté préférée rose. C'est sa voiture, c'est sa voiture. Ah oui, bien c'est vu. La photo de la voiture. Oui, bien vu. Voilà, trop fort. Mais son âge, par contre, c'est quoi? Enfin, c'est qui? Qui est-ce? Son âge, bah je sais pas. J'ai une liste de personnes, mais nom du visiteur, c'est pas ça, je pense pas. Il y a pas son nom sur son mug, non? Sur le stylo, peut-être? La graffeuse? Non, c'est écrit Omega. Omega partout, putain. T'as pas mis son nom partout, genre. Je sais pas, peut-être, tu sais, le mec qui met un sticker avec son nom sur la graffeuse pour pas se la faire piquer. Fais voir la photo, et la photo de la voiture, fais voir, s'il te plaît. Bah, il y a 53, donc il va y avoir ça dessus. Il y a 53. Ah, ouais, non, mais il y a pas de. Il retourne là, peut-être? Il y a peut-être un truc derrière? Non, il y a rien, j'ai regardé. Bon. Il y a 53, donc ça va être le chiffre du milieu, s'il y a 6 chiffres. Mon âge. Attends, c'était mon âge, ma beauté rose et. Et. Attends, on va pas s'oublier. Gauche puis droite. Gauche puis droite. Gauche, droite. Ce serait 4 et 6. Ah, ouais, ce serait bien ça, ce serait bien ça. Ce serait ça. Mon âge. Elle a pas 40 ans déjà. Si jamais c'est ça le code. Mais il y a un jeton là. Incroyable. Mon âge. Bureau A, cuisine, rangement, machin. Oh, il y a. Et mec, la chaussure, il y a un chiffre en dessous. What the fuck? C'est la pointure, non? Rouge. C'est quoi le chiffre en dessous? Peinture rouge. C'est quoi le chiffre? C'est 8 sous la botte. À gauche puis droite, c'est les chaussures. Ah, bien vu. C'est 9 l'autre. J'ai la chaussure moi gauche, j'ai la chaussure 9. Droite. Donc c'est 9 et 8 à la fin. 9, 8 à la fin, putain. Il nous manque son âge. Quel âge tu as, bâtard? Comment on pourrait savoir son âge? Alors, un 10, échappe-toi par le bureau B4, ok? Attends, le. Ah, je peux le prendre, ça, non? J'ai oublié un truc là-dedans, non? Ah, j'ai oublié un jeton. J'ai oublié un petit jeton. Sur le mug, il n'y a pas son âge. Au fond du verre, genre. Au fond du verre, en vrai. Non, tu déconnes. C'est la giga référence, genre. Non, c'est faux. Putain, comment on pourrait savoir son âge? J'ai essayé au cas où, mais... Il y a un jeton, là. Ah, des plantes artificielles sur son bureau. Enfin, il ou elle, donc... Ouais. Je ne ferai pas d'assomption sur son âge. Non, assumption, c'est... Don't assume my gender. C'est son âge, du coup. Don't assume my age. Putain. J'en sais rien, frère, comment... C'est quoi, les ouvriers ont peint... Sur les chemins de câblage. C'est sûr, genre. Mais j'ai essayé de mettre. Oh, avec un mug, ça va passer, non? Parce que le truc, ça passe pas, genre. C'est pas. Pas fait pour, quoi. Moi, je l'ai pété. Bah, bien. Bravo. Attends, mais attends, moi, j'ai son mug. C'est pas ça? Bah, tu le poses sur la table. J'ai pété aussi? Non. Ah, il se pète pas celui-là. Là, ah, il y a 4. J'ai rien dit, il se pète. Il y a 4 chiffres ici. Ici, c'est les pièces d'échecs.
Et du coup, il y en a combien? Il y en a 6. Et est-ce que les 6 On peut mettre les 6, genre, du coup. Ouais, mais pas. Attends. Les ouvriers ont peint sur les trucs de câblage. Les ouvriers ont peint sur les schémas de câblage. Du coup, ce serait en haut à droite, en haut tout droit, en bas à gauche et à côté à gauche. Ce serait la tour, le truc en haut à droite. J'ai pas compris, mais ok. Le truc en haut à droite. La reine et le pion. Pion, reine. J'ai pas compris. En gros, en fonction d'où ils viennent, tu vois. Genre d'où ils vont, les câbles. Ah, attends. Et du coup, ce serait le cavalier plutôt que... C'est ça. On commence à essayer de faire des trucs au pif, c'est pas bon ça. Non, mais du coup, ça veut dire qu'il y a peut-être un ordre. J'ai pas compris. Ah, du coup, tu vois rien. Là, il vient de en haut tout droit, genre. Ouais, ouais. Ensuite, il va en bas à gauche. Et ça va tout en bas à gauche, genre. Ce serait la tour, le roi ou la reine, je sais jamais. Ce serait ça, ça. Et ensuite. Putain, mais c'est un délire qu'on avance pas là. Ce serait ça, là, le pape, là. Attends, il y a un truc que... Et ensuite... Il y a une heure, mec, sur le sur l'horloge, et elle me chiffonne cette heure. Mais c'est pas ça, putain. Est-ce que vous avez une idée dans le chat pour ouais, vous débloquer? Le chat, si vous avez une idée, n'hésitez pas. Là on est keblo full keblo là. Indice échappe toi par le bureau. B4, j'ai failli cliquer sur le truc indice sans faire exprès, vraiment. Indice échappe toi par le bureau B4. Oui d'accord, mais ça veut dire quoi? B4, il y a le truc électricité dedans, genre. Ouais d'accord, mais B échappe toi par le bureau B4. Électricité, il y a tu pas. Tu peux repasser le rayon X? Bah je sais pas, j'ai pas l'impression. C'est, on a essayé tout à l'heure, mais il y a pas de bouton ni rien, genre. Mais je pense que ça va être avec l'ordi, une fois qu'on l'aura débloqué, tu vois. Ouais, sûrement. Enfin, j'imagine que ce serait ça. Mais mon âge, ma beauté préférée rose, gauche puis droite. Mais comment on peut savoir son putain d'âge? Non, mais je pense que c'est le truc des... C'est ces trucs-là là, qu'on est censé pouvoir faire d'abord, mais... Ouais, mais du coup, j'ai croyé avoir compris, mais j'ai pas compris. Je comprends pas ta logique, en fait. Bah tu vois, tu vides les câbles en gros, tu vois. Ouais d'accord, non mais ok, admettons on commence en haut à gauche. Donc c'est la tour, ok. Ensuite tu descends, c'est quoi, c'est le pion en bas? Ce serait la reine là, ou le roi là, genre. Ah bon, ça fait la diagonale, tu vois. Ouais. Et mais du coup ça se trouve tu appuies deux fois sur le même, parce que les deux ils vont dans le même sens, là ils vont exactement au même endroit. Celui-là, et qui vient de tout en bas à gauche. Et celui tout en bas à droite, ils vont au même endroit, non? J'ai pas compris. Je suis pas sûr. C'est pas grave, attends. On s'est fait tour. Non, mais c'est pas possible, il y a forcément un document qui nous a échappé. Omega, nom du visiteur, heure d'arrivée. Pas ça. Moi j'ai absolument rien sur moi, hein, si jamais. Bah, moi j'ai 2-3 trucs, mais il y a rien d'intéressant quoi. J'ai un verre, j'ai un pot de fleurs, j'ai une agrafeuse. J'ai. Y'a pas un truc sur l'agrafeuse, genre. J'ai son âge. Vas-y, pose. J'ai son âge, mec. Depuis le début, j'ai son âge. C'est quoi? C'est 30. C'était où? C'était sur une carte d'anniversaire, en plus je l'ai dit. Putain. J'ai dit au tout début, j'ai une carte d'anniversaire. C'était 52 et c'était 8 et 9, je crois. Ou non. 9 et 8, peut-être. Ah. C'est, reprends la photo, je sais plus c'était quoi le chiffre. C'était 53. Non, dommage. C'était 8 et 9, 9 et 8, je sais plus. Bah, c'est 9 donc, et 8. 30, 53, 9, 8. Ok. Putain. Putain, je suis trop con, faut que j'arrête de garder les objets sur moi, faut que je les pose après. Ouais, en fait, moi je garde rien du tout. Ouais, sur faut moi, que je les pose, faut que je les pose. Message fermé, 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 important. Droite. Alors attends. Sélectionnez le message d'affichage. Bienvenue. C'est le message qui s'affiche là. Vérification de la sécurité. Choisissez les 3 symboles manquants. Alors, attends. Ah. Il y a la main, l'appareil photo, la personne, le vibreur, la personne qui marche et le téléphone qui envoie un message. Il y a une... Ouais, donc il y a cigarette, cigarette, gun et caddie. C'est ça. Employé actuel, aucun, changé. Hein? Entrée l'identification de l'employé. Donc là, il me faut un numéro d'employé.
J'ai pas de numéro d'employé, j'ai des heures d'arrivée à la limite. Et on peut passer des trucs au rayon X. Il faut mettre un truc dedans et après j'ai juste à cliquer dessus. Genre. Bah vas-y, go mettre la peinture. Vas-y. La peinture, ça peut être pas mal, genre, ouais. Et du coup, X-ray, aucun élément trouvé. Ah. La plante là. Et là. Ça change où le truc de LED là? Ah, ça fait là, regarde, ça fait un code en. Ouais, c'est ce que je te disais. D'accord, ok, j'ai pas entendu. Ah, mais attends, pourquoi ça fait un code en morse là? Important. Parce que, regarde, bienvenue. Là, c'était fermé. Ça... Vas-y, remets important, c'est un code en binaire, c'est un code. Fermé, ça fait rien. Mais remets important. Code... Ouais, c'est du binaire. Important, c'est. 01. Oh, je sais plus. Ça, c'est. Ça fait 1. Ça fait 2. Ça fait 2. Donc, ça, c'est 3. Ensuite, 1. Alors, le premier c'est 3, le deuxième c'est 1. Et celui-là c'est quoi? Le deuxième c'est. Je me souviens plus de comment on fait, genre. Oh, je vais pas les convertir du binaire quand même, je peux le faire de tête. Bon, après, toi on est plus à ça près, hein, genre. Ça. Bon, 6 minutes 45, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 5. Ça fait 2, 5, 1. Non. Fuck. C'est pas ça? Enfin, c'est pas ici en tout cas. Ah, mais attends, c'est le numéro d'employé peut-être? 2, 5, 1. Non, merde. Idée invalide. Je suis pas con non plus. Attends. Ah non, attends, c'est pas... Attends, je dis de la merde. 1, 2, 3... Peut-être peindre... Oh putain, je vais les convertir, ça me saoule. Ouais, il va convertir, hein, c'est rapide, je pense. Je sais même plus quand. Alors, binaire en chiffre décimal. Décimal, hexadécimal, binaire. Alors, binaire. 0, 1, 1. Donc ça fait 3. Donc celui du milieu, j'avais raison. 3, 5, 1. 3, 5, 1, bah c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ah, ça passe pas sur 3, 5, 1. J'avais raison en fait. Ouais, peut-être raison, peindre ouais. Du coup, vu que vous avez le rouleau de peinture. Bah. Alors, il y a le rouleau de peinture qui est là. Mais peindre quoi? Tu peux peindre les câbles là? Non. Il dit. Les ouvriers ont peint sur les schémas de câblage. Ils ont peint où? Ils ont peint tout en rouge? On a perdu. Putain, on a perdu first. Frère, on est vraiment. On est claqué au sol, mais... c'est quoi ce bordel? Et en vrai. Ouais, je sais pas. J'ai une autre idée, Lisa. Que par exemple, tu es seul dans ce chat. Attends, parce qu'on peut scanner des trucs, mec, maintenant, déjà. Ça roule dans quel sens? Je sais pas. Je crois que c'est dans l'autre sens de ce qu'on pense. Ah, comme ça là? Vas-y, extrait là. Mets dedans peut-être? Bah ouais, je pense, parce qu'en vrai, je clique dessus, mais j'ai une plante dedans. Ça roule pas ni rien, donc en vrai, je pense pas que ce soit utile. Il y avait pas, t'avais pas, si t'avais une note toi tout à l'heure. J'ai tout posé. Ouais. J'ai tout posé, j'ai. Emma, c'est 14h. Et elle est jamais pas. Enfin, elle est jamais. J'ai jamais signé pour partir. Emma. C'était quoi? C'était l'anniversaire. Putain, mais ouais, la carte d'anniversaire, franchement, t'abuses, frère. Et ça? Ah, ça, c'est du binaire aussi. Où ça? Là-dessus. C'est du binaire aussi. 01, 01, 01, 10, 10, 10, 10. Oh, binaire bof. Bah c'est des 1 et des 0 quoi. Oh bah il y a écrit 1 ou 2 quoi, en binaire, en gros. Ouais, non mais... Ouais, je sais pas.
Et bah, j'ai aucune foutue idée de quoi faire là. Vas-y, go, indice. Allez, le premier. Donc la note, B4, oui. D'accord, j'avais compris ça. Et B4, je comprends pas le chemin. Oh, c'est les trucs avec les échecs. Non? Attends, attends, droite. Attends, tac, tac. Droite, B4. Bas, bas. En gros, pour vous enfuir, c'est B4. Enfin, pour vous barrer, c'est B4. Enfin, barré par le bureau B4. Donc B4, bas, bas et sortie direct du coup. Que les B4, etc., tu sais, ça fait penser aux coordonnées sur un jeu non, d'échecs. Mais non, mais c'est le nom du bureau. Mais je sais, mais. Ils disent. Non, c'est pas là qu'ils disent ça, c'est là. C'est enfui. Ils disent indice, échappe-toi par le bureau B4. Échappe-toi par le bureau B4. Ok, très bien. Pour B4. Droite, bas, bas. Mais on sait pas où on est là. Droite, bas, bas. Droite, bas, bas. Bah si, en vrai, nous on est dans la zone de réception, non? Réception. Ah, bah, vu qu'on est... j'avais pas compris, on est à la réception. Ah ouais? Ah ouais? Donc, bas, gauche, enfin. On descend et on va à gauche, quoi. Mais ça nous aide dans quoi, ça? J'ai pas compris. Bah, on est à la réception. Ouais, mais j'ai pas compris pour autant. Bah, faut aller au bureau B4 quoi, en gros. C'est genre. Pas logique, on peut pas être à la réception, mais qu'on a qu'une porte, il y en a trois normalement. Ouais, mais c'est écrit réception en gros, genre. Ah, mais j'y peux rien. Hein. Ah, sinon, on est au bureau A, peut-être. Non, parce qu'il y aurait un truc de santé, genre, parce qu'il y a la. Ah, t'as capté. Je captais. Non mais échappe-toi par le... Non pas du tout. Échappe-toi par le bureau B4. Qu'est-ce que ça dit? Hein? Attends quoi? Regarde ça. Attends, montre. Alors. Oui bah faut l'ouvrir, oui d'accord. Jusqu'à là on est bon. Non mais sérieux, non mais c'est bon, s'il met toutes les étapes aussi genre... putain. Ah ouais, mais vraiment il nous prend... Et clique c'est... gauche maintenant. Vraiment c'est putain, ça. Putain, ils nous prennent pour des teubés. Bah après là bon c'est un peu justifié quoi. Ouais bon c'est et vrai. C'est le premier niveau de ce chapitre là. Mais mec what the fuck je bite rien. Parce que là y a un bail de... J'ai compris qu'il y avait un délire avec le niveau B4. Enfin le bureau B4. Mais je comprends pas comment tu peux utiliser les flèches ou je sais pas quoi. Parce que là c'est tac 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 tac. T'as demandé un autre indice? Non en fait ça se recharge. Ouais non j'ai cru que ça avait déjà... Non, j'ai essayé. Je comprends rien. En fait, faut juste qu'on arrive à trouver le. Comprendre le truc Oméga là, en fait. Moi, je veux. Moi, à moi. Mais j'avais compris, ça c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais ça veut dire quoi? Mais si, c'est exactement ce que je fais depuis tout à l'heure, mais pourquoi? Ça veut rien dire. Enfuyez-vous par le bureau B4. Ah, c'est peut-être une erreur de traduction, genre. Bah non, mais moi j'avais compris ça depuis le début tout à l'heure. Oui, mais du de coup, B4 à hall d'entrée, mais ça nous avance à rien. Mais du coup, qu'est-ce que ça nous fait faire? 1, 2, 3, 4. Ah, si, c'est peut-être. C'est vis-à-vis du code, non? Ça fait 4, 5, 8, 0. Oh. Comment ça? C'est quoi ça. Quoi? Comment ça, 4, 5, 8, 0? Bah, tu fais genre B4, restaurant, vestibule, entrée, sur un digicode. Regarde, il y a le X et le V. Ah putain! Ça fait un digicode, quoi. Ah, oh, mais oui, mais. D'accord, ok. Oh, okay. Scanner. J'ai. Waouh. Tu peux faire quoi, avec métaux. État détecteur. Je sais pourquoi. Ah c'est. Bah c'est pour le méga, non? Ouais, je pense, ouais. Ils ont peint sur les là, schémas de vert, câblage. C'est vert, la couronne est verte en haut là. Ok, là c'est rouge. Ok, rouge ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a du métal? Ou qu'il n'y a pas de métal? Je sais pas. Non, ça bip quand il y a du métal donc. Ok, donc la couronne. Donc les deux couronnes, la tour. Le pion. Non, le pion et. Non, attends, la tour ça l'a fait ou pas? Non, pas la tour. Ça l'a pas fait. Le pion. Le pion. Enfin, et non, le cavalier pion aussi. Avec le pion avec la croix dessus. Ouais, genre. Le pion et le cavalier, non? Et non, les deux couronnes et non, c'est tout. Avec trois? Ouais. Ok. C'est ça? Les deux couronnes et ça? Ouais. Ah bah ouais, oui. Let's go. Ok. Y'a un jeton, je l'ai vu. Surtout une note. Aidez-moi, le code se trouve sur le bracelet qui est à l'intérieur du boîtier. La gauche est normale, la droite est inversée. Attends, fais voir ce que t'as trouvé. Une valise. Avec une note. Qui dit se trouve
se trouve à l'intérieur du boîtier. Oui. Il y a un jeton. Bah du coup faut le scanner au rayon X genre. Ah. Tiens. Ça marche pas ta machine de merde. Ah putain là je peux la poser dedans, ok. Donc c'est un 619 ou un 619 en fait dans les deux sens, et c'est un téléphone 619, portable. Ok. Ouais. Donc 600. Et l'autre c'est à l'inverse. Ouais c'est à l'inverse du coup. 619. Ouais. Ça doit être 916. Bien joué, okay. C'est bon, on avance. Oh, on oh. a une carte. Wesh. J'ai cliqué, je crois. Attends. Mais attends, elle est buggée. T'as pris le reste? Non, c'est bon. Là, je l'ai. Ok. Moi, j'ai un bracelet avec écrit 619. Ouais, c'était ça, en fait, du coup. C'est quoi, code accepté? Entrez le mot de... Oh, c'est les fruits. Oh. Super. C'est quoi le mot de passe? Il demande quoi? Les fruits. Mais oui, mais comment ça, les fruits? Bah, regarde la porte. Vas-y. Je sais pas comment te décrire ça, genre. En vrai, le pire, c'est qu'on avait tout... Enfin, du coup, on pouvait trouver, genre. Parce que t'avais raison depuis le début. Les fruits. Juste, t'as pas pensé au truc de Digicode. Attends, les fruits... Paul Grégory... Ah, le numéro d'employé, 042. J'ai un truc où je peux me connecter avec le numéro d'employé, moi, ici. 042. Numéro d'autorisation 2. Je peux mettre le numéro d'autorisation 5. Et là, je peux passer tout seul, non? Peut-être. Non. C'est un non. C'est un non. Moi, j'essaie de comprendre les fruits, hein. Il faut 3 fruits. Il faut 3 fruits, ok. Et du coup, j'ai une autorisation plus élevée maintenant. C'est cool. Oh, ça fait cling cling. C'est moi qui change le numéro de... Rayon X. C'est pour tout à l'heure ça je pense. Non, pas c'est pour Rayon X là. Pourquoi il y a un d'un côté et 10 de l'autre? Bon ça je pige rien, ok. Admettons. Fraise... Ah, c'est la même chose, fraise et cerise. Cerise, fraise, c'est pareil. Fais voir le bail de... Vas-y attends. On peut pas cliquer sur les 1 et les 0 non, non on peut rien faire. Du coup je capte pas genre. C'est la même chose de l'autre côté, les deux côtés. C'est, les fruits changent pas, c'est juste 0, 1 qui deviennent des 10. Ok admettons pourquoi pas. Faut les aligner non? C'est question de perspective non? Mais du coup t'en as que 3 qui apparaissent à la fin. Genre je sais pas. Je pense que c'est un bail comme ça, on aurait vu la gueule de la forme. Bon, on n'en voit que 3. Non mais ouais, mais t'es mignon toi. On va essayer, c'était poire, machin, banane. C'est poire, pomme et raisin. Poire, pomme, raisin. Non, c'est pas du raisin, ça merde. Non mais attends. Merde, ça c'est... Mais c'est pas une poire ça. Pas ça. C'était des trucs au pif, moi. Mais je pense que c'est un bail de... Attends, je crois que j'ai compris. Ok, c'est bon. Attends. Non, c'est pas bon. Vas-y, donne-le-moi juste 2 secondes, histoire que je le manipule un peu. Vas-y. Merde. Tiens. Je crois que j'ai compris parce que, en gros... Ça ferait 1 pour le raisin, ok. C'est pas logique. Ouais, ça fait 1 pour le raisin, ok. Ça bouge pas, mais pourquoi? On se retrouve à 1 après, à la fin. Ça n'a pas de sens. Les aligner selon le code tout à l'heure. Quel code? De quel code tu parles, Lisa? Wow, ça me fume, il me fume le cerveau ce niveau. Le code qu'on avait en binaire tout à l'heure. C'est avec le truc important ici. Hein. Non, là. Truc en binaire, ouais, d'accord.
Ah, ça, ça veut dire 3, 5, 1. Non, mais 0, 1, 1. Alors, attends. Ça ferait 0. Ah, ouais, mais en fait, non, ça change rien. Genre. Enfin. Je comprends pas. J'allais faire la même. C'est quoi l'indice? Faut se mettre en mode important. Hein? Comment ça? Bah ça, sur le oui, PC, bah oui, mais en fait, s'il nous fait dans l'ordre. Donc ça, on a déjà fait, en fait. Il nous fait dans l'ordre, t'es sûr? Bah, je pense, ouais. Je pense pas, hein. Bah, là... C'est... Ah ouais, tu penses pas? Là, on est en mode important, là. Je pense pas parce que tout à l'heure il nous a donné direct le bon indice qu'on avait besoin quand on a commencé les indices. Tiens, il est là, je l'ai. Que oui. Je vois comment c'est. Enfin. C'est lié parce qu'il y a des 0 et des 1 quoi. Mais... Eh, moi je pige pas. Mais je pige pas comment tu peux faire le lien. Parce que. Ah attends, ça y est, j'ai trouvé. Attends, je crois. C'est bon, j'ai. Attends. Attends, tiens, je te le donne. Vas-y, fais voir. En fait, faut réfléchir à l'envers, faut réfléchir en branche. Ouais, mais ça, j'avais commencé à capter, mais. Du coup, le truc donne le 0. Donc, alors, attends, 0, le premier, 1, c'est quoi? Le premier, c'est quoi? 0, 1, 1. 0. 1. 1. Pomme. Et ensuite, 1, 0, 1. 1. 0. 1. Banane. Pomme, banane. Et le troisième, c'est. 0, 0, 1. 0, 0, 0, 1, 0 1, 1. Cerise. Cerise. Ok, c'est ça. Oh la vache! Mec, mon cerveau! Ah ouais, vraiment, oh. Là, c'est... Oh, quoi? Quoi? Je sais pas combien t'en as mis, mais... Quoi? C'est honteux! C'est honteux! C'est honteux! C'est honteux! Putain! Le prochain, je mets un chrono pour voir combien de temps on met. Ouais, j'avoue. Après, ton chrono, il s'arrête pas au bout de 3 ans et demi, non? Non mais un chrono sur mon téléphone, tu vois. Je sais bien, mais ça, il s'arrête pas tout seul au bout de 3 ans et demi, j'espère. Comment ça, il s'arrête pas tout seul au bout de 3 ans et demi? Parce que c'est à peu près le temps qu'on va mettre. Ah. Oh, le casse-tête, ah, mais clairement. Oh, le giga casse-tête. Ok, ah ouais, ok, c'est... alors attends, les règles. D'abord, on explore tout ce qu'on peut explorer et on ne garde pas les objets pour nous. Et on se partage les objets, genre. Donc, une source d'entrée, il faut connecter l'écran. J'ai un téléphone. J'ai un histogramme que je vais poser par terre, en plein milieu de la pièce, d'accord? Histogramme, voilà. Là, il y a plein j'ai de post-it. J'ai une table à ski, putain. Ne touchez pas à ma nourriture, ok? C'est pour toi, ça, Adrien. Il y a une table à ski. Oh, la ski, ma passion. J'ai un deuxième Omega histogramme. 43, ok, il y a plein d'histogrammes, en fait. Je crois que c'est pas important, les histogrammes, mec. Quoi, ça? Il y a plein d'histogrammes dans tous les sens. Ok, bon, je crois que c'est pas important. Affaire, ah, okay. Réunion à 14h, déjeuner avec Carmen, finir l'analyse. Ok, j'ai un papier, j'ai un... On peut ouvrir ? Pourquoi ça sert ? Ok, on peut retourner. Oui, t'es sûr ? Ah, regarde. J'ai déjà trouvé un truc, je peux effacer certains traits, mais pas tous. Ok. Ok, donc ça fait cette forme-là à la fin. J'ai une barrette de RAM, c'est de la DDR3. Mais non, voilà. Ah, j'ai une deuxième barrette de RAM. De la DDR4. J'ai la DDR4, mec. Nice, bah c'est mieux. Ah nice, je la mets dans mon PC. Je la pose là sur le meuble, ok. Le mec ne garde plus rien sur lui. Je la pose ici, là, tu la vois. Il y a des bambous sur le... Tu vois. Ils sont où les bambous? Non, je fais pas la blague, j'ai pas envie qu'on se fasse ban. j'ai éteint l'ordi ou je l'ai allumé? Module RAM manquant, bah... Ah tiens, il y a de la RAM là sur le bureau, il y en a à côté. Attends. Ah, c'est un ordi gamer, il y a une vitre sur le côté. Il y a des bambous. Ici, il y a des bambous. Il va nous falloir un. Si jamais tu trouves un. Attends, c'est quoi ça? D'accord. Si jamais tu trouves un tournevis, on va en avoir besoin pour ouvrir l'ordi. Ok. J'ai ça. J'ai enfin réussi à comprendre les TQ. Celui-ci signifie 6. Donc il y a des trucs à côté. On stick notre mot de passe de connexion, ici c'est le code TQ. Ok, donc ça, on met tout ce qui est au rapport avec le TQ là, je mets ça sur le côté gauche du bureau. Là, y a quoi ici là? Ok, y'a rien. Le ballon de basket, il fait quoi? C'est un ballon de basket. Le pot là-dedans, y'a rien. L'image, attention, il fait du basket. Il est dans l'équipe Omega, attention, il est dans l'équipe Omega. Numéro 43.
Ok, affaire, réunion à 14h, déjeuner avec Carmen, finir l'analyse. Ouais, ça j'ai vu tout à l'heure, Ça j'ai vu tout à l'heure. Attends, les tiroirs là. Des papiers. Ok. Le papier, ça c'était ça en fait, j'ai reconstitué le. Ah, le tournevis, j'ai le tournevis. Ok, nice. J'ai le tournevis. Hop, dévisse-moi ça. Hop, dévisse-moi ça. Ok, parfait. DDR4. Ok, alors attends, allez où la barrette. Ouais. Nice. C'est pratique parce que. Donc ça, il faudrait une clé USB. Putain, il faut une clé USB pour ça. DDR4. Bam. On peut éteindre la lumière. Ah non, slot numéro 1. Attends, on fait ça bien. Ah, slot 1. Bon. Hop, c'est bon, on peut allumer l'ordi. J'ai trouvé un jeton, regarde, regarde en haut à gauche, derrière toi. J'ai ouvert ça et ça a ouvert un trou. Il est chaud. L'ordi, t'avais pas le code ? Non, en fait, le code, faut le déverrouiller avec le truc TQ qui est sur la feuille là, tu vois. Quel truc c'est ici, regarde. Attends, deux secondes. C'est la note orange en haut à droite. Donc en gros, un triangle comme ça, ça veut dire 6. Ça veut dire 6. Attends, what? J'ai enfin réussi à comprendre les TQ. Celui-ci signifie 6, d'accord? Le mot de passe de connexion, utiliser le code TQ. Ah oui, d'accord, c'est ça. Ok. Celui-ci signifie 6. Pourquoi? Donc ce serait un triangle en... Ah mais attends. Ça fait voir la gueule qu'il a, ouais. Est-ce que c'est celui pas... Chaque... C'est celui qui est en bas à gauche du truc en bas à droite et en bas à droite du truc en à droite, là. Ça veut dire 6, ça. Pourquoi ça veut dire 6? Attends, l'orientation, regarde... l'orientation compte peut-être. Regarde l'image que t'as. Ah mais l'orientation compte peut-être. Je pense qu'on s'en bat les couilles. Je pense pas non plus, mais ça, pour moi c'est 6 ça aussi. Ouais, on est d'accord. Si l'orientation compte pas, ça fait 6. Donc ça veut dire qu'un petit triangle, ça fait 3. Bah, je pense, ouais. Ça fait la moitié. Donc ça ferait 6, 6, 12, 15. À droite, 15. Et là, ça ferait 9 plus 3. Non, attends, attends. Ouais, si. Bah si. Non, non, 6, attends, non, 12, non. 12. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 plus 3. 12. 15 et 15, du coup. 15, 15. Ça ferait 15, 15. C'est faux. J'ai un téléphone portable au fait. Ah, ça c'est bien. Dessinez votre modèle. C'est l'Oméga 100%. Non. Là, ça, là, regarde sur le tableau. Ah oui, bien vu. On part d'en haut, d'en bas. Attends, tu l'as pris la fiche de la solution là, des TK, ah oui, des tiens, TQ. Excuse-moi, tiens. Hop, je te remets ça, je vais déverrouiller le attends. Portable. Ça fait. Ok, j'ai débrouillé le portable. 6, 12, 13, 14, 15. Ok, j'ai le truc du code TQ. Ah. Tiens, bon, regarde-le avec moi. Ah, je regarde, je regarde. C'est conçu pour les scanners. Facilement, chacun est un des. Est un côté à 3 chiffres dans cet ordre. Premier, deuxième, troisième. Ok. 1, 0, 9. Ok. 1, 2, 3. 6, 7, 8. 4, 5. Alors attends. Ça fait 1, ça fait 3, ça fait 2. Quoi? Mmh. Ah, c'est en fonction des côtés. Ok, alors attends. J'ai rien compris. 1, 2, 3. Il est en 5, j'ai le bâtard. 5, pourquoi c'est 5? Ça c'est 9. Ah, tourne pas le téléphone. Il est con lui. Attends. Il y a peut-être d'autres bails sur le téléphone. Comme ça se rachète dans 7 ordres. Est un code à 3 chiffres. Après, ça se trouve, il y a rien également. À retenir. Chacun est un code à 3 chiffres dans 7 ordres. Ça, c'est premier, 4. Deuxième, troisième. Ça, c'est 5. 6. 7. 8. Ah, ok, d'accord. Ok, ok, c'est simple en fait. Tu l'as c'est simple. Par contre, il va falloir que tu. Est-ce que tu peux poser le téléphone avec ouais, ces informations-là de fait? Yes, tiens, je le laisse. Ah, oh, nice. Parfait. Du coup, attends, je peux même l'afficher en fait, je pense. Oui, oui. Je peux me le pin. Ah ouais, je me le pin le téléphone. Ok. Du coup. Du coup, alors. Premier, deuxième, troisième. Donc, premier. Donc, ça, c'est 9. Ensuite, deuxième. 3, 0. 9, 3, 0. Alors, est-ce qu'il faut les additionner? J'en sais rien. Chacun est un code à 3 chiffres. Donc, là, j'ai 9, 3, 0. Et là, j'ai. 3, 7, 8. 9, 3, 0, 3, 7, 8. Je fais 9, quoi 3, avec 0, ça 3, 7, 8. Sur le PC. Bah. 9.
T'es sûr que le PC c'est avec les codes TQ? Ah ouais, c'était marqué sur la note. Place de connexion, utiliser les codes TQ. Donc 930, 9 plus 3 plus 0, ça fait 10. 10 et 3 plus. Attends, 7, 9 plus 10, 3, plus ça 8. Fait 10. Non, 12, pardon. Ouais. Ouais. 3 plus 7 plus 8, c'est ça? Ça fait 18. Non, c'est pas ça, putain. Est-ce que t'as vu un truc à tout hasard avec des lettres? Attends, mais ça se trouve, le mot de passe il fait pas 4 lettres, si? Je sais pas. 9, 3, 0, 3, 7, 8. Ah bah oui, c'était ça en fait, fallait tout mettre. Ah, y'a une clé au fond du. Aucune son. Clé insérée. Ah bah parfait, aucune clé USB. Il faut la clé USB. Non, mais c'est une clé. Moi c'est une clé normale, ah, c'est chiant, mais du coup je peux déverrouiller ça. Plus 3, plus, voilà. Plus 0, plus 10, JPP égale, pardon. J'ai un menu avec les bambous. Attends, comment tu unpin un truc? Tu reprends le truc, tu l'as en bas à gauche, tu over avec ta souris et tu cliques dessus. En bas à gauche dans ton menu. Ah, c'est bon, parfait. Tu disais, excuse-moi. J'ai le truc avec le bambou, j'ai un menu de resto asiatique. Merde. Ok. Et du coup, pour le code. Mais je sais pas, créer votre place spéciale. Alors attends, y a des là, prix avec app des USB, points. Aucune clé USB insérée. Ok, donc faut une clé USB. Il nous faut une clé USB. Et si jamais t'as un truc avec des lettres, avec trois lettres, c'est ici le cadenas. Un truc avec trois lettres. Ouais, ok, d'accord. Bah, moi, le PC est déverrouillé, mais on peut rien faire avec. Par contre, c'est quoi ça? Il y a le téléphone, tu peux faire des trucs avec peut-être autre ah, que. Je pensais qu'il servait que à ça, ok. Alors. Alors attends, déverrouiller, ok, coup de ma liste de visionnage. Ok, donc là il y a des graphes, ok, et météo. Zagreb. On est à Zagreb, mec. Stylé. Cool. Ah, il est en 5G le bordel, what? Ouais, okay. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Il refait le Google. Il y avait du code Alors attends, ma liste de visionnage. Ok. Dev Sent D, LTT, LCMP. Little Computer Co. et Devs United. Je capte pas le bail avec le resto asiatique là. Je sais pas, à ma nourriture. Ok, du coup c'est quand même de. C'est 4 chiffres. Il reste combien de temps? 4040. Je sais pas ma nourriture. Donc ce serait un 1 ou un 2. Non, 12. Un 12 et 1. Ou 12 et 2. Ou sinon 2. 12. Est-ce que j'ai un truc qui colle là? J'ai un parapluie, je suis quasiment sûr qu'on peut l'ouvrir, non? Non, j'arrivais. Ok, ça vide de l'ordi. 10. Ça a le report, non, revenge, ok, mais ça on s'en fout, non? 72. Je capte pas le bail avec le resto. Téléphone, je capte pas ce qu'on peut. Il y a d'autres trucs, effectivement. Il y a la météo, donc la ville où on est aussi. Et il y a la bourse. Le papier sur le bureau, je crois que je chiffre ça avec le classeur du début. Tableau de l'ASCII. Le papier. Et t'avais quoi avec le téléphone, du coup? Ah, attends, décimal, symbole. Ok. Il y a le tableau de l'ASCII avec des morceaux manquants, ok. Déjeuner avec Carmen. Réunion à 14h, déjeuner avec Carmen. Il est 9h26. Tu vois le téléphone, genre ouais, échangeons de tâches. Vas-y. Je laisse le menu par terre. Tiens, merde. Tiens, où est le menu? Par terre là. Ça. Ici. Alors,
Créez votre plat spécial. Base, protéines, supplément. Ok. Là, il y a du bambou. Ok, c'est ça. Ouais, il suit la bourse et voilà, c'est tout, genre. C'est un code à 4 chiffres, très bien. J'ai essayé les bails de menu, tu vois, de faire un menu genre avec le 1, 10, etc. Tu vois, enfin 1, 10, 1, 10, 2. Except, tu vois. T'as vu qu'il y avait écrit Loop Foot 551 en 65 tout en haut? Oui. D'accord. Mais ah ouais, 1165 c'est pas mal. Non. 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 505. C'était quoi, c'était 551, 1165. Ouais. Ah ouais. Ah, un peu câble là aussi encore. Ah, on peut éteindre la lumière. Ouais, je l'ai fait tout à l'heure, ça sert pas. J'ai pas l'impression que ça sert à grand chose, sauf s'il y a un truc qui s'allume. C'est ça. Et la ski, je vois pas pourquoi c'est iré avec le classeur du début. Ouais, effectivement, ça ressemble, mais. C'était quel classeur, genre? Ben non plus. Faut commander de la bouffe avec le téléphone MDR. Ben on peut pas appeler avec le téléphone, j'ai pas l'impression. Je vois, en vrai, c'était pas con comme idée. Et non, on peut rien faire avec le téléphone. Les papiers déchiquetés qu'il y a à côté de la poubelle, on peut pas faire quelque chose avec? Non, bah en fait, dans la déchiqueteuse, il y avait les morceaux de papier pour le truc TQ là. Ah. T'as des chiffres dans les classeurs. Ouais, j'ai vu qu'il y avait des chiffres dans les classeurs, mais c'est des classeurs. Je vais te les filer, Mathieu, si tu veux, mais c'est des classeurs random. Ouais, c'est toi qui a les 22 et tout là. En bah ouais, y a des... ils sont en quadruple version, donc je pense pas qu'ils soient importants. Ouais, non, c'est les mêmes. Ça R. Enfin, Par contre, les sticky notes ne touchaient pas à ma nourriture. Oh, ah d'accord. Mmh. J'ai juste trouvé un jeton. Ok, super. Je suis déçu, je voulais pas un jeton moi. Non, le meilleur employé du monde. Ça c'est écrit en français. J'avoue que ils ont fait un effort. Putain mais la clé USB elle est forcément. En vrai il est. La clé USB elle est forcément sur le bureau non quelque part. Bah pour moi elle est peut-être là-dedans cette clé USB. Il reste combien de temps là? 0. Ok. 10. Allez. 1, 2, 3. Oh mon dieu. C'est les premières lettres. Ah, non. Ne touchez pas à ma nourriture. Pas content. Ça fait 1, 2, 3. Genre l'indice, tu regardes. Je l'ai dans la main là, tu peux regarder. Oh mec, c'est les couleurs de classeur. Quoi? Blanc, bleu, rouge. Ah mais je savais pas qu'il y avait autant de classeurs moi. 72. Non mais c'est des lettres qu'il nous faut. Ouais t'inquiète, 72, 66. 70. Alors. Ah oui d'accord. 72 H. B. Attends, 72, 66, 70 j'ai dit. H, B, F. Putain de ça. Ouais, et là il y a sa bouffe du coup. Du coup, je peux savoir ce qu'il a bouffé, putain. Ouais. Chien. Alors. Les canettes. Alors, ça veut pas m'écouter. Bah, si, ah, mais Lisa, en fait, il savait pas où ça allait. C'est ça le problème. Alors, c'est du riz avec des champignons, des crevettes et des brocolis. Non, ça nous fait quoi ça? Riz, crevettes, brocolis, champignons. 2 euros plus 7 ça fait 9 plus brocoli ça fait 9 ça fait 10,20 et champignons ça fait 10 11 12,20 ça fait 1 2 2 0 il y avait quoi? Oula. Oh. C'est que t'as résolu le truc direct. Ah, c'était pas compliqué, hein, fait juste aligner les couleurs. D'accord. Et c'est la clé USB pour sortir, non? Ah non, pour le PC. Oh!
Ok. Ah, faut les séparer. Et la gauche en bas. J'ai pas compris le délire. Faut les mettre sur les rouges en fait. Mets-le tout en bas, attends, le attends, bleu. Attends. Mets-le tout en bas, va tout en bas, va tout en bas. Et merde. Si c'est bon, monte d'un cran, descend. Ouais. Voilà. Bien wesh. Clé USB squelette créée. Du coup, là, il faut la reprendre et la foutre dans la porte et c'est terminé. Attends, je vais jouer au basket, moi. Putain. On a mis, attends, j'ai mis combien de temps de... 18 minutes. Oh la vache. Enfin, on a 3 minutes en trop, quoi. Wouah. Ouais, franchement... Est-ce que tu veux pas faire une mini-pause avant de reprendre? En vrai... Parce que moi j'ai le cerveau qui chauffe. On est chaud maintenant. Et puis j'ai besoin de toilettes. Vas-y, on fait une pause, tu veux. Mini pause de, allez, 5 minutes, comme ça je vais fumer en même temps. Vas-y si tu veux. Hein. Ça marche. Bon, à tout de suite. À tout de suite. Heureux! Et rebonsoir! Et rebonsoir! Bon, alors. Tac, tac. C'est parti. C'est parti. Ça part tout de suite. Alors attends, par contre, je me disais. On a un chrono. Je vais faire ça. Attends deux petites secondes. Voilà, je vais juste cacher ma cam. Parce que je vois que ça passe sur les objets et je sais pas, je saurais pas où la foutre. On voit pas tout l'écran du coup. Ah, ok.
Ok, alors. Brainscape. Il y a un PC avec. Il y a un vieux code. PC. Un code à 9 chiffres. Déverrouillage. Relisa. J'ai une disquette floppy. J'ai un disque floppy, je le pose sur le bureau. J'ai un truc à déverrouiller avec 3 chiffres pour moi ici. Ok, ça c'est quoi ça? J'ai une clé. Nice. J'ai une clé. Et ici. Où ça? Oh là, putain, j'ai freeze. Ici. Oh, moi aussi. J'ai un deuxième disque floppy, bah je vais le mettre dans l'ordi. J'ai un tournevis, moi. J'ai un tournevis avec différents embouts. Poser le Lemero BBS. Alors attends, Lemero BBS, tu vois ça quelque part? Lemero BBS. Ouais. Ok. Oh la vache. Je peux ouvrir pour accéder au clavier. Ok, là, attends. C'est quoi ça? Niveau complet. Ok, j'ai fait un Hello World, je suis super content. Ah ouais, ok. J'ai capté ce qu'il faut. Attends, faire. Là, il y a deux disquettes. Là, on peut mettre deux disquettes. Ok. Les statuettes, elles servent à quelque chose ou pas? En rouge, c'est deux. Ok, presence. Nah. Ok, j'ai plusieurs statuettes. Hein. Si tu cherches des statuettes avec des formes cheloues. Attends, je les ai sur moi. Merde, alors attends. Il y a une deuxième cravate. Ok. J'ai des cravates aussi avec des motifs. Il y a une qui est toute noire avec des hexagones. Et une qui est bleue. Je vais les poser sur le bureau aussi. Ok. Ça, c'est quoi ça? Ah, ok. Sélectionner trois cravates. Tac. Avec les hexagones, elle est où? Celle-là? Il manque une cravate. Il manque une cravate. T'as pas une cravate quelque part toi? Infogames. Infogames. Ah, c'est un studio de développement de jeux vidéo. Ok, lui il est éteint. Et là il faut une comment on appelle ça? Une. Ah merde! Une disquette, tu sais, pour mettre de la musique là, comment ça s'appelle? Ouais, attends, je me concentre sur le truc. Attends, what? C'est passé un truc là. Oh bah je l'ai trouvé, elle a été cachée. Une cassette, voilà, merci. Ok, il se passe un truc. Hein? Ok. Et il me faut un truc avec un embout carré pour le mettre dans... Ok. Ah d'accord. Et donc là ça fait 3 et là... Si t'as un truc avec un petit embout carré au bout. 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10. Non, je peux pas faire de 10. Ah ouais, je suis... Elle est où la dernière cravate? Ça c'est quoi la lampe là? Rien dedans? Non. Dans les pots de fleurs, y'a rien. Non, ok. Les deux... Ça... Non. Ok. Compartiment déverrouillé. Ok, il y a quoi dans ce truc? C'est. Des papiers. J'ai récupéré, c'est un processeur. Ah, une puce quantique, pardon. Une puce quantique. J'ai des papiers aussi. Et la puce quantique. J'ai eu 3 puces quantiques. Ah oui, d'accord. Mais du coup, en fait, j'avais la notice de comment faire, mais j'ai capté comment faire. Pour... Parce que c'est du basique, genre, tu sais, c'était des Hello World, ah, ouais, des print, ouais. Etc. Tu vois, genre. Je m'en suis sorti, t'inquiète. Heureusement qu'on était en dev. les puces quantiques, je vais les poser là. La puce quantique, j'ai posé sur le bureau. Il manque une cravate. J'ai une boîte de tournevis, frère, si jamais. Moi, j'ai un jeton. Il manque une cravate. Comment ça, il manque une cravate? Là-dedans, il y a une cravate. Non, ça, ah, ça c'est une cravate. Ah, parfait, rouge. Elle était dedans. Ah, parfait. C'est celle qui manquait. C'est la rouge. C'est la rouge comment? Rouge à rayures. Oh, c'est le Lemero BBS. Ah, c'est celle-là, ok. Ok, j'ai les emplacements pour mettre les puces quantiques. Ok. Et ça, c'était quoi ça? Ah, c'est son truc de basique, ok. Ouais. Ok. Ordinateur quantique, ok. Il y a des t-shirts, pile de chemise, ok. Mais attends, mais ça va pas là ton disque là?
Bah si, non mais c'est de là, c'est de là d'où je le sors. Ah, d'accord. Et là il y en a une autre là-bas où, y a, où tu peux mettre deux. En mettre deux là-dedans. Il y en a un qui va là-dedans, non? Ouais, je sais bien. Après j'en ai un deuxième. Hein. Je commence à être très doué pour cacher les choses. Je n'arrive même pas à trouver certaines choses que j'ai cachées. Mais ça, je dois m'en souvenir. Red j'ai et j'ai blue, mis les deux dedans. Les disquettes contiennent, ne contiennent pas la clé si elles ne fonctionnent pas ensemble. J'ai mis les deux. Bah c'est bon. Ouais, mais sauf que... T'es verrouilleur. Et c'est quoi le troisième truc? Attends, je relis. T'avais Y copie. Ah, mais t'avais un truc copie. Ah, oui. Ah. Protégé. Attends, parce que c'est les tableaux qu'il y a derrière. Ah oui, c'est des trucs, ça j'ai vu ça aussi. Hypnosis. Ah, c'est écrit quoi dessus, là-dessus? C'est Brainscape, ça. Ok, Brainscape. Tu te fais quoi d'autre? Infogames. La tortue, c'est Infogames? Ouais. C'est le logo d'Infogames. La bague de Thanos, mais en triangle. La bague de Thanos, c'est Similaris. Et la mouche, c'est Bullfly. Bullfly. Ok. Y copie professionnel. Ouais. Analysé. Ok. Trois mauvais secteurs trouvés. Il y en a plus que trois, là. Ah. Là, c'est un 2. Ensuite, c'est un 3. 3, ouais. Ensuite, c'est 7. Un 7. Ouais. 2, 3, 7. 2, 3, 2, 3 7. 2, 3, 7. 7. Il c'est... était où le cadenas? Merde. Ah, putain, je suis un peu. 2, 3, 7. Ah non, c'était ça avec 3 chiffres, non? Où ça? T'es où? 2, 3, 7. Déverrouillage. 2, 3, 7. Incorrect. Nope. Alors, moi, j'ai un truc à. Là-dedans, c'est... Ah, c'est 9, 9 chiffres. Ouais. Compartiment déverrouillé, ouais. Là j'ai un truc, là j'ai un truc, mais je sais pas quoi faire avec. Ouais. Et moi j'ai des tournevis, mais attends, mais je peux pas mettre... Y'a pas un truc carré là-dedans? Attends, moi il se passe des trucs quand je bouge ma souris dessus. Attends, what? Tiens, regarde, j'ai un truc là. Oh, attends, what? T'as fait un truc là? Ah oui? Quel numéro je pense? Je vais utiliser le... 50. C'est plus petit, ah faut que je joue. Michelin. C'est plus petit. Oh, je trouve. En trois coups. Ça va. En trois coups, respectez-moi. Oui. C'est un truc quantique là encore. Ok, là on a deux trucs quantiques mais... Il y avait rien d'autre? Ah, c'est ça le fameux tournevis? Ok, d'accord. Oui, en fait, j'avais une boîte de tournevis. Ouais, d'accord, j'y étais pas en fait. J'ai pas tilté. J'ai repensé à ce que t'as dit tout à l'heure. J'ai pas tilté. Là, c'est un code à 9 chiffres. Là, le Y copie. 3 mauvais secteurs, ok. Y copie professionnel. Ah, mais attends. Mauvais secteur trouvé. Vas-y, fais voir. Il y a trois. Il y a combien de secteurs en tout? 3. 3. Donc c'est, ça fait 2, 3, 7. Oui, bien sûr, on est d'accord. 2, 3, 7. J'ai rien d'important sur moi. Lampe des lunettes, elles sont pas importantes, les lunettes? J'ai un mug. Je commence à douter de tout, putain. C'est pas ça, non? La lampe, y'a pas un truc dedans? Faut pas la péter. Est-ce qu'on a vraiment tout exploré? Ah putain, y'avait deux tiroirs là. Il était quoi dedans? Il y a rien dedans. Pourquoi ça fait du... Bah, ils se sont ouverts, mais c'est tout ce qui s'est passé. Je suis déçu, il y a rien dedans. C'est quoi cette merde? C'est deux tiroirs vides, mec. Pourtant, ça fait la musique comme si on avait découvert un truc de ouais, fou. Ouais, de ouf. Mais il y a... Ouais, les boutons, c'est ce qu'ils ont ouvert. D'accord, c'est... ok. C'est ce qui a ouvert les tiroirs, mais...
mais c'est pas un problème. Oh putain, je vais péter un câble. 5-5-5, 2-5-6, 2-2-2. C'était en face ? Oui, en effet, BBS. Putain. De l'aube au coucher du soleil, caché de la vie, vue de tous. Attends, c'est une énigme. 6-8, il y a des numéros sur les immeubles. C'est 6 et 8. Regarde, tu veux voir. Non. Bah attends, il y en a peut-être d'autres. 6-8, enfin 2-6-8. Il y a 3 fenêtres. 2-6-8. Putain, c'était ça. En fait, regarde, si tu regardes là, à la fenêtre là, t'as un 2. Et à la fenêtre là, t'as un 6 et un 8, genre. Ah! Et du coup, okay. Il nous en manque un. Il manque un, et c'est celui-là. Je capte pas. Tu peux mettre combien de chiffres dans le truc à la fin? Tu les as déjà ouverts? Ah, les tiroirs, je les ai déjà ouverts. J'en ai 3. 3. J'en ai 3, c'est pour ça, mais du coup, c'est incorrect. C'est pas 2, 3, 7? Non, j'ai essayé déjà. C'est que j'ai essayé quand même. Attends. Mais du coup, ça veut dire qu'ils sont incorrects. Attends, est-ce que le floppy bleu irait pas en haut et le rouge en bas? Enfin, ah, l'inverse. Oui, bah, oui. Ah, aucun secteur. 3 mauvais secteurs trouvés. Par alors, coup, attends. Parce que le floppy bleu, à la base, il était dans ce PC-là. Tu peux faire un truc avec, non? Là, ça me met inséré deux disques. J'ai aucun secteur là. Non, bah non, ça. Il dit il faut les deux, genre dans le bail d'avant, sur l'autre fichier, il disait qu'il fallait les deux. Et l'information a dit quoi? Elle dit, je commence à être très doué pour cacher les choses, je n'arrive même pas à trouver certaines choses que j'ai cachées, mais ça, je dois m'en souvenir. Red et blue, les disquettes ne contiennent pas la clé si elles ne fonctionnent pas ensemble. Et t'as essayé de cliquer sur le bouton analyser? Oui. Dans YCopy, ça fait quoi? D'accord. Mais du coup... Et tu peux faire autre chose que... Tu peux cliquer sur des cases, non? Non. C'est moi qui... Oui, je sais, j'ai vu. Du coup, faut que red et bleu fonctionnent ensemble. Mais du coup, là, c'est un 8, c'est pas un 3. Putain, on est con, faut les assembler, genre. En fait. Ah, putain. C'est 2, 8, 7. Bah ouais. Putain, bah ouais, qu'est-ce qu'on est con. Ok, bah là, on a tout. Vraiment, ouais. Mais il va y avoir une dernière énigme, moi je pense. Il reste 2 minutes. Merde. On va essayer de prendre la clé. Ah. Non, c'est terminé. C'est terminé. On est dans les temps, putain. On est dans les temps. On s'est réchauffé. Mais là, c'est seul, on est bon. Il y avait une cravate, je sais plus quoi dedans. Ah, je te mets. Putain. Je les avais déjà ouvert à tiroir où je dis, bah ils sont vides. Oh, je deviens fou, putain. Allez, let's go, prochain épisode. C'est un même, ça doit être le dernier maintenant, non? L'avant-dernier? Non, on a fait 3. On en a fait 3 là, il y en a combien en tout généralement? 5? Il y en a 5, je crois. Ok. Ok, Omega Corporation. Bon, déjà, le M et le R étaient pas bons. J'ai pas vu. Ah, d'accord, on peut bouger les lettres. Et le M, quand on arrive, on était comme ça. Excellence, growth, ambition. On peut bouger les lettres. On va y avoir un mot de passe à faire là-dessus, ok. Là, il y a... Donc deux positions, ok. Ok. Allez au bout de vos rêves, Donald Crane. Alors... Tu peux envoyer l'ascenseur plus bas? Oh, what the fuck. Crane... Oh, j'ai trouvé, ok. Oui, bien vu. Il y a deux... Ah, fait quoi? Il y a, j'ai écrit crane comme c'était écrit sur la photo là-bas. Mais il y a quoi dedans, genre? En dessous, il y a deux serrures. Ok. Il y a deux serrures en dessous. Au-dessus de nos têtes. Yeah. Alors, au-dessus de nos têtes, il y a un espèce de. Ouais, puzzle. Triangle, croix. Ok. Et là, j'ai. Oh là. Pardon. Ils ont disparu en descente. Ah oui, d'accord, en fait, on joue avec tous les étages. Ah, ils ont descendu le chemin en descente. C'est ça que ça veut dire. On peut apprendre beaucoup en observant. Donc l'intervalle entre nos pensées. Faut commencer par le 7. Okay, parce que c'était, ils ont descendu le chemin, enfin ils ont parcouru le chemin en descente. La sticky note que j'avais. Ok. Donc. Et donc là, c'est les notes vis-à-vis de l'ascenseur. Parce que regarde, c'est les trucs ici, je suppose. Ouais. Ah, bah, sauf que ça marche pas. Ouais. Ouais, dis-moi plus. Vas-y, dis-moi plus. Bah, en vrai, c'est du braille, tu vois, genre. Ouais, mais je ne lis pas le braille en fait. Je pensais que ça allait être écrit ici, tu vois. Mais non.
Sinon, c'est un chemin à suivre. T'as vu qu'il y avait une valise? Non. La valise RTL? OMG. Non, c'est. C'est une valise qui. Tout ce qu'il y a de plus. Alors, l'ascenseur n'a pas encore été réparé. Appuie 3 fois rapidement sur le 2, puis appuie sur le bouton moins 1 pour aller à l'étage moins 2. D'accord. J'ai un chiffre. J'ai un papier. Rapport annuel. Illustration, un chiffre d'affaires annuel moyen. Chiffre d'affaires annuel. Chiffre d'affaires trimestriel, pardon. Des stylos, en veux-tu, en voilà. Une banane, des lunettes et d'autres rapports de chiffres. Donc là, j'ai une banane. C'est à 3 chiffres. C'est 3 chiffres, ok. Je crois que Il y a un bouton dans la mallette et j'ai une clé. Let's go. Non, je crois que j'ai capté le bail. Il y avait un bouton caché dans la mallette, mec. Donc c'est 6 le premier. Le deuxième, c'est 7. Et le troisième, c'est 4. Oh, là, putain, j'ai rien pigé. En fait, fallait associer le premier, tu vois, qui est tout à gauche, genre. Des 4 là. La clé, t'as avec, une clé du avec coup chacun. Ouais, j'ai une clé, ouais. Vas-y, est-ce qu'elle va ici? Non. Oh, putain, la déception. Y'a pas un truc. Bah, tiens, regarde la clé, attends. Deux. Putain. Partie centrale de la touche. T'avais juste à l'ouvrir pour savoir que ça allait ici, mec. Hein? Ah non, elle est pas complète à mon avis. C'est une partie centrale de la touche, mais qui est pas complète. Alors attends. Ouais. Est-ce qu'il faudrait pas essayer de refaire le saut Oméga? Un truc du genre. Ouais. Je sais pas. Moi, je pense qu'il faut mettre que du bleu au milieu, non? Ah oui, ça tient. Bah, c'est pas possible. Si, c'est possible, c'est possible. Bah non, c'est pas possible. Ah d'accord, si, c'est possible, j'ai rien à dire. Non, c'est pas possible. Bah si, là. Il y a que du bleu, là. Ah oui, d'accord, je pensais que tu voulais que tout soit bleu. Ah non, bah là, c'est pas possible. Mais du coup, j'en sais rien. Et tout le reste blanc. En fait, je sais pas ce qu'il faut faire. Ou alors, faut tous les allumer en bleu, peut-être. Non, c'est pas possible non plus. Et attends, est-ce qu'on peut les allumer tous en blanc sur la droite, genre, par exemple? C'est possible ça. Alors attends, l'ascenseur n'a pas. Appuie 3 fois rapidement sur 2 puis appuie sur le bouton moins 1. T'as essayé ça ou pas? Pas du tout. Ah. C'est le moins 2 ça. Ouais. Peut-être nous quelque chose. Peut-être le chemin en descente. Ah, le plafond, le plafond, le plafond. Attends, clique quelque part, t'as bougé un truc. Ça a bougé le plafond, ça a fait un triangle. Et il y avait un triangle sur le bail d'avant, genre au moins 7 il y avait un triangle. Ah, regarde mec, il y a un Oméga là. En dessous, ouais. Ah oui, là il y a un Oméga. Il y a plusieurs Oméga. Du coup, t'as trouvé tous les Oméga? Là il y en a pas d'autres. Il y en a un en bas à gauche. Enfin, en haut. Celui-là là? Non, en bas à gauche. Et il y a. Attends, arrête-toi. Ouais, celui-là, ouais, il est Oméga. Okay. Il y en a un en troisième position sur le rang du haut. Ouais, ici. Et l'autre, ça, c'est un Oméga. Et en dessous. La ligne d'en dessous, c'est un Oméga. Attends, c'est là, là? Non, en dessous. Ah non, pardon. Lui. Oui, c'est ça. Ok, donc c'est les trois qu'on laisse seulement allumer. On va essayer. Ouais, je pense, ouais. C'est ça. Let's go. Ça fait quoi? Alors on a une on deuxième a partie. Une pièce okay. De la touche. Des fils. Est-ce que maintenant. Du coup, ça suffit. 6. J'ai pas capté de bail. Je pense qu'il manque. Ouais, il manque des bouts. Bon, ok. Ça c'est fait. Ça. Qu'est-ce qu'on pourrait faire avec? Bon, allons à un étage autre. Ça m'a saoulé. On peut apprendre beaucoup en observant l'intervalle entre nos pensées. Et c'est un code à 4 chiffres. L'intervalle entre nos pensées. Y'a pas un ici, attends, ça parce fait que un 2 y et y un y 6 a... ça ici. De quoi? Là ça fait un 2 et un 6 là. Ah ouais. Marrant ça. Ça était pas tout à l'heure ça.
Ah ouais. Ouais, non, c'est vrai que ça y était pas. Ça, en fait, c'est parce que ça change. Ok, va à l'étage d'en dessous. Je suis à l'étage 0. Ouais, tu deux, vois. 2, 6, 8, 0. Donc ça, l'intervalle entre nos pensées, je pense. Et il y a plusieurs codes. 2, 6, 8, 0. Peut-être que c'est l'intervalle entre nos pensées. Je sais pas si c'est ça, mais on va essayer 2, 6, 8, 0. Ah, non. Dommage. C'est le 4. Dommage. C'est encore 2, 6, 8, 0. C'est pas ça ? C'est ça ? C'est pas ça ? Non. 2, 6, 8, 0. C'est ça ? C'est ça ? Ça a pas marché. Ah, la deuxième clé, Let's go. Ouais, c'est quoi ça ? Partie de la touch. Ok, donc ça va être ça. Ça va en haut, ça. Ok, il manque deux bouts. Il reste deux étages, donc... Coïncidence ? Je ne crois pas. Je ne pense pas. Ça, j'ai pas compris, hein. J'ai pas capté. Faut faire un triangle ? Y'a un triangle en bas. J'avoue, pourquoi y'a un triangle en bas ? Est-ce qu'il faut que toutes les faces... Non. C'est pas possible, hein. Le triangle, il est en bas. Est-ce que j'ai pas un objet qui peut... J'ai le porte-document, il y avait quoi dedans ? Un important... Ah, attends. Ah, c'est un jeton, putain. De toute façon, ça n'a pas eu fort été réparé, appuyé trois fois, bon ça, on l'a fait. Annual report, ça c'est en trois fois, donc ça doit pas être important. Mega le stylo, c'est pareil. La banane. J'ai une banane, n'oublie pas. T'as une banane. N'oublie pas que j'ai une banane. T'avais pas un truc dans la valise, là ? Dans le porte-document ? Bah, je te laisse regarder, mais j'ai tout vidé, je crois. Mec, il y avait un portefeuille par terre. Chiffon. Il y avait un bouton dans la valise. Ah, tu l'avais déjà ouvert. Il y a un chiffon avec un jeton dedans. Non, j'ai trouvé le chiffon, mais j'ai pas vu le jeton. Il y a un jeton coincé dans le chiffon. Non, il y avait. T'as vu qu'il y avait, Il y avait oui, il y avait un bouton. Il y avait un bouton, mais c'est déjà fait. Ouais. C'était la première clé, okay. Ça. Ouais, ouais. Par contre, il y a mec, il y a quand même ownership, méga, meaningful work, ouais, excellence, grosse ouais. Ambition. Vas-y, go à notre étage. Il pas... non, y a combien ? 1, 2, 3, 4, 5. Le 4, c'était quoi ? Tu vas où là ? Au 0. 0. Là c'est quoi ? Il y a une note là. Moins 1. Ouais, c'est ils ont, ils ont disparu. Ils ont disparu sur le chemin en descente. Ils ont disparu 7, sur le chemin. Moins 1. Bah. 7, 6, 4. 7, 6, 4, 2 ? 6, 4, 2 peut-être ? Non. Bah attends, c'est simple. 7, 6. Il manque 5. 4, ouais. 3, ah bah oui. 1. Oui, c'est ça. 5, 3, 1. Oui, bien vu. Ouais. Bien vu, ça. Logique, ça se tient, ça coule de source. Ok, il nous manque le dernier. Ah non, attends. Si je crois qu'il nous manque le dernier morceau, je vais essayer quand même, mais. C'est le. Ouais, il manque le dernier morceau. Mais je comprends pas du tout. 5, 3, 1. Ouais, c'est ça, Lisa. Exactement. On est juste un peu loin à la détente. Yep. Ça, on l'a déjà fait. Ah merde, c'était le... Le 6. 6. Ouais. Le 6 là, je... Je sais pas ce qu'il faut faire. J'ai un bug. Oh mec. Oh mec, regarde par terre. Oh putain. Heureusement que je pense à nettoyer. Hein. Ok. Donc en bas à droite, que donc du faut bleu. Faut que tout celui du milieu soit rempli, tout celui de droite soit rempli, en gros. C'est tout. Ah, en bas à droite, tout bleu. Donc lui, il doit être genre comme ça. Non mais il faut full bleu hein, en bas à droite. Bon, il faut full bleu en haut aussi, donc ouais. Ça va être chiant ça. Faut lui mettre là, comme ça, vas-y. Tu veux le faire ? Vas-y. Attends. Plaisir. Je vais le décaler de 1 pour qu'il soit... Attends, parce que là c'est pas possible ce qu'il demande. Si, c'est possible. Bah j'ai pas compris. J'ai pas compris pourquoi certaines blanches... Parce que tous les autres doivent être tout blancs. Ouais mais en gros on s'en fout, c'est les deux du milieu, les deux au milieu et à droite ils doivent être remplis quoi, c'est tout genre. Ouais.
Merde, j'ai fait de la merde là. Ah, mais je viens de comprendre un truc. Les boules, elles se déplacent de cercle en cercle. Oui, bah oui. J'avais pas compris, moi. Je croyais que c'était juste des lumières. Ah non, non, non. Ah, d'accord. Par contre, là, je sais. Ah, mais oui, mais d'accord, ok. C'est d'accord, ok. Bah déjà là, attends, regarde. C'est bon. Attends. Bien joué. Bien vu. Ok. J'ai mis du temps mais j'ai capté. Paf, ok, c'est bon, on a la clé. Let's go. Let's go moins un. Attention. Attention. Attention, nouvelle règle. Attention, nouvelle règle. Oh là là. Let's go! Let's gong! Bien joué ça. Il reste encore un épisode, genre. Un épisode? On va y mettre prochain épisode, genre. C'est les prochaines. Ah oui, bah oui. Bah oui, on était au quatrième seulement. Yep. Oh là putain, on va craquer un coffre. Cliquez T pour retirer un objet de l'inventaire. Le truc s'appelle métavers. Le métavers. C'est le métavers! Ça pue, hein. On est chez Facebook, mec. Protection, ok, alors là, il y a des... Oh putain, ça a l'air chiant ça. Insérer le disque EA7C. Insérer le disque j'ai B... J'ai un truc de maintenance des serveurs. Sauvegarde pour 2A3B et BS... Ah, putain, je B2SQ. EA7C, B2-4D. Qu'est-ce que de RV? T'as pas B2-4D? Comment? Non, c'est... Si jamais t'avais une disquette quelque part. Ouvrir. Ok, il y a un PC. X fois Y égale. Vers headset lock. X fois Y. Ok, si jamais t'as X ou Y à un moment, tu me dis. Pas d'admission dans la salle des serveurs sans autorisation. J'ai un EA27C là. EA27C. Téléphone portable. X plus Y égale. Non, X fois Y. Ah, attends, il y a X par terre. Oui, il y a une croix. Il y a Y par terre. ABX9. Il y a une note. J'ai l'alphabet. J'ai une grosse boîte avec. Alors attends, j'ai un truc avant tout, j'ai du duct tape et j'ai. J'ai des disques par terre moi. Attends, j'ai une batterie. J'ai une pile quoi. J'ai une pile, j'ai du duct tape. Et j'ai un enleveur de panneau à ventouse. Il faut ici, je pense. Ça. L'enleveur de panneau là, ici. Il y a un problème avec le câble. C'est ça, tiens. Faut l'enlever. Ah si. C'est fou que tu le clenches d'abord. Hop. Rappelle-toi que j'ai du duct tape et une... Bah le duct tape c'est pour ici je pense du coup. Ah. C'est ça. Ouais voilà, c'est ça. Voilà exactement. Bam. Wow. Attends faut l'aligner. Oh. Oh c'est trop bien. Faut que tu tournes autour jusqu'à ce que tu sois aligné. 50. Ah bah attends c'est simple et là Y je dois avoir un autre chiffre. C'est 50 en bleu. Et 74 en rouge. Quand je suis sur Y. Donc X fois Y, c'est 50 fois 74. Oui. Ce qui nous fait 55, 300... C'était quoi les deux chiffres? 50 fois 74. Alexa, 50 fois 74. 3700. 50 fois 74 est égal à 3700. C'est ça, déverrouillé. Ok, j'ai une clé USB. Attends, j'ai une des clés USB qui va dans le casque VR. Ok, j'ai une des clés. Il faut le 2A3B et le B2SQ. Non. FB8 machin. Parce que là, j'ai mis tous les disques que j'avais, je les ai foutus là. Moi aussi j'ai mis tous les disques que j'avais. Attends, mais le EA7C, je l'avais mis au début, il est là. B2 4D. B2 4D, putain il y est pas. Non on a... non. Je me dis je vais y patienter. Okay. Disque corrompu détecté. Ah quoi? Oh nick. J'ai un jeton. Bien joué. Bien joué. Bah j'ai un autre jeton. Et il faut 3 clés USB là. Ouais j'en ai 3, on en a 3 une. J'ai un autre jeton aussi. Ouais je le vois. Ah mais en fait je peux le prendre quand tu en prends toi. Ouais. Il y a un bail là. Ah mais en bas en dessus j'avais pas vu.
Alors, il est coincé dans une boucle, le virus se déplace rapidement de l'une à l'autre jusqu'à ce qu'ils ils s'arrêtent tous, ok. Il y a un code à A, B, C, D, E, F, ok. Il fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, il fait 6 lettres. C, D, E, F. Bon, c'est un truc de... Attends. De disque dur, non ? Attends, A, B, C, D, E, F, c'est tous les panneaux, mec, regarde. Oui, et moi j'ai un alphabet là, si j'ai un papier avec un alphabet. A, B, C, D, E, F, ok, et c'est ça, genre, regarde. C'est quoi ? Attends, fais un. Sauvegarde pour... Alors, système de secours, la sauvegarde pour 2 A, 3 B... Et 3B... Attends. Ah ouais, j'avoue... Attends. Du coup, attends. J'ai posé la pile par terre. 2A3B, c'est 3B4C. Ok, et pour B2 4D, tu l'as pas ? Non. J'ai B2SQ. C'est C3... Alors, 2A3B, tu m'as dit que c'était quoi ? 3B4C. Putain, on l'a pas. Et l'autre, c'est quoi ? C'est B2SQ, c'est C3TR. On n'a aucun des quatre. Ah, c'est... Non, C3TR, on l'a pas, non. Mais du coup, Il y a un truc qu'on n'a pas trouvé encore. Mission dans la salle des savoirs sans autorisation. J'ai quoi sur moi ? J'ai toutes les batteries, pile et j'ai un casque de chantier. J'ai un putain d'alphabet. Casque de chantier, là dans la boîte, j'ai un zap. La feuille pour qu'elle fasse transparaître quelque chose, là. T'as pas un truc qui a besoin de batterie par hasard ? J'ai deux papiers. Déverrouillé, ça c'est bon. Moi oh, je suis un frise. Et le panneau électricité à côté ? On peut pas faire quelque chose avec lui ? Oh, j'ai un jeton là. Attends, ici, tu l'as trouvé non ? Ouais, je l'ai trouvé lui. C'est déjà trouvé, c'est rouge. C'est un status. Ils clignotent tous de toutes les couleurs et d'un coup ils clignotent tous en rouge. Ils sont tous éteints. T'as quoi sur toi genre ? Il se met en rouge. J'ai quoi sur moi ? J'ai une pile, une boîte vide que j'ai vidé de tous ces trucs et un casque de chantier. Fais voir ta pile. Tiens, c'est par terre. Ah oui, c'est petit. Ah, c'est pas grand. Je vais essayer de me balader avec pour voir si ça rentre quelque part, tu vois. On rentre tous en erreur, mais y'a pas une logique. Genre... On a tous éteint. Putain, je comprends pas, j'essaie de trouver une logique avec les serveurs, là. C'est quoi ? Protection envers incassable. Très bien. Secteur, ok, machin. Y'a rien non plus. B2 4D. Et lui il dit qu'il est corrompu. Faut qu'il ait fini de charger. Mais chargement de disque, vous voyez patienter. Ah bah attends, t'en as mis un au pif. Ouais. Disque inconnu. Inconnu, ok. On va les faire un par un. Ah 7C, vas-y bah vas-y. Tu peux les faire deux par deux même. Oui bah oui. Je vais les faire. Ok d'accord. Parce qu'en vrai... Mais du coup, je crois savoir ce que c'était en fait. Regarde ça, recule. Viens avec moi, regarde. Alors, viens avec moi, genre. Ça, tu vois, genre, le 2 c'est le 3, le A c'est B, et le 4 c'est C en bas là, regarde. Ouais. Du coup, tu vois, 2A, 3B, ça fait 3B, 4C, tu vois. Ça se décale de 1 en fait. Ah, ok, donc tout est comme ça. Tout est décalé de 1. Donc ça fait. E, ça ferait F, B, 8, 0, celui-là. Voilà. Et l'autre c'était lesquels ? B2 4D, donc c'est C3 5 Donc e. Lui ça doit être le bon. C3 5 E, c'est celui-là. Tac. Voilà. Putain. Non, ça fallait le... L'ordre dans lequel ouais, il s'éteignent. Bah c'est ce que je voulais faire au début Lisa, mais ils s'éteignent tous en même temps, y a pas... j'ai pas vu d'ordre logique. Ok. Alors, l'arbre binaire. Bon c'est facile ça en vrai. Ouais, c'est celui-là, là. Ouais, ok. Ça et ça, ça fait ça. Ouais. Et ça, ça fait... Celui-là, non ? Ouais, ça. Ouais. Ok, deuxième clé USB. USB.
Ouais, d'accord. Mais par contre, du coup, on a plus rien là. Ah si, c'est ça, c'est en bas en fait. Ça, ouais. Il est coincé dans une boucle. Le viol se propose de l'un à l'autre. Je sais que ça s'arrête tous. Ah, donc ça, c'est la séquence, genre. Oui, c'est... Donc, il se propose donc de là, le A, ok. Non, là, ils attendent. Là, ils vont tous s'arrêter. Donc là, ils se sont tous arrêtés. Attends, là, ils s'arrêtent tous, ok. Ça va recommencer. Donc, vas-y, regarde de ce côté-là, je regarde de l'autre côté, moi. Mais ouais. Regarde les couleurs, attends. Normalement, le A, il devrait faire du rouge. Moi, non, le F fait du rouge, là. Le F fait du rouge. Ok. Donc, F. E. B. D. A. A et C. Et là, tous. Donc, F, E. F, E, B. Non, merde. F, E, B, D, A. Donc c'était F, E, B, D, attends. Faut que ça reprenne depuis le début, genre, F, E, D, B, A, essaye, attends. F, E, D, B, A. Parce qu'il y a plus que ça de chiffres, genre, enfin de lettres. Ah d'accord, attends. Le C, c'est il pour est... ça que... Ah, c'est bon, ça recommence là. E. B. D en même temps. Donc F, E, B, D, A, A, B, C, là, ils font tous du rouge, là. Ça n'a aucun sens. Le D aussi. Ils sont tous arrêtés. Attends, ils se sont arrêtés là ? Non, là ils s'arrêtent. Le A, on le A est rouge. Le A est rouge d'abord. Le C est rouge. Là c'est rouge là ? Ouais, A oui. Et C. Enfin, A ensuite C. Ok. F. E. A, C, F, E. B. D en même temps. A, C, F, E, B, D. A, C, F, E, B, B. A, C, F, E, D, B alors. A, C, F, E, D, B. Ah, c'est ça. Let's go. Ok. Le casque. Il va où? Sur ta tête. J'ai l'espace dessus. Attends, oh, peut-être que j'aille voir ce qu'il y a dedans. Il manque une pile. J'ai la pile. Tiens. Ah, attends, ça bug. Ok, le casque, hop, la pile. Parfait. Oh. Wow. Wow. Ok, on a une sorte de Tetris. Ok, ça j'ai capté comment faire. Oh, wow. Ok, faut juste faire passer le... Ok. Ouais. Ok, voilà. Ah oui, c'est chiant parce qu'on l'utilise tous les deux en même temps, ok. Ok. Ok, ok. Tac. 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 Non, faut le passer à fond. Vas-y. Ouais. Hop, ensuite faire ça, ça et ça. Je sais, j'ai gig de ça, ça va. Non, c'est baisé ça. Hop. Si, attends, attends, refais ce que tu faisais. C'est bon, bien. C'est bon, c'est passé là. Ok. Oh, il y a des lasers. On peut toucher à quoi là? Les miroirs. Ok. Ok, attends. Ok, où? Je sais pas. Le bleu, il est bien. Ah ok, moi le chien il est bleu, bien. Le bleu il est bien, le rouge faut qu'il aille là-bas. Là. Faut qu'il aille là. Derrière. Comme ça là. Voilà. Oui, oui belle. Et le vert. Et le vert. Enfin, il faut, c'est celui qui faut décaler un il peu. Il faut... Non. Oh. Tu as été bon. Vert. Bah, attends, tout à l'heure il l'a fait genre. Ah voilà. C'était bon, c'était bon. Reviens un peu. Nice. Nice, ok. Fubdak. J'ai pas compris. Que se passe-t-il? Tu fais quoi toi? Je clique. Je sais pas trop ce qui se passe là. Ah, pour en trouver 4 à la suite, genre. Ok, y'en a que 3 ici. Mais mec, c'est un tic-tac-toe, c'est tout, non? Ah bah oui, c'est ça, oui, t'as raison. Ah ça. Ah, il fait chier, il joue bien ce bâtard. T'as gagné. Ouais. C'est que 4 en ligne, ça se... Oh, let's go! Let's go! Let's go!
ça qui est bon. Et bon, on a fini. Et on a fini le jeu. Il nous reste le truc de Noël là. Truc de Noël. Oh, ouais. Ouais, alors attends, deux secondes, je reviens rapidement. On fait ça après. Ouais. T'inquiète. Merci Lisa. Bah franchement c'était pas évident, mais les dernières salles étaient plus simples que les... Enfin les dernières salles de ce niveau là étaient plus simples que les premières. Enfin ça me paraissait plus logique, peut-être qu'on a capté la logique aussi un peu plus tard de ce niveau là quoi. De ces niveaux là. Peut-être le temps qu'on s'habitue, mais en tout cas c'était bien sympa comme, comme petit jeu. J'espère que c'était sympa pour vous aussi, que c'était sympa visuellement, enfin à regarder, que c'était pas trop frustrant de nous voir galérer aussi sur tout ça. Bah tant mieux, c'était sympa à regarder, c'est le principal. Nous c'était très sympa à jouer, et si tout le monde a passé un bon moment, c'est le principal. C'était pas trop frustrant en vrai de trouver les réponses avant nous, genre. C'est ça quand tu regardes et que tu peux pas jouer et que t'as pas tout à fait la même logique que la personne qui joue et que tu regardes, de vite faire péter un câble. Mais c'est rien, vous m'écoutez quand j'ai raison. Ça, c'est vrai, ça. Et tu pourras lui rappeler pendant de un bon nombre de jours, voire de mois même. Toi qui avais raison. Et nous ne t'avons pas écouté. Malheureusement, ça nous aurait débloqué. Peut-être un peu plus vite. Mais la logique du début dans le hall d'entrée, là, c'était bizarre. Hein. En fait, on est resté bloqué sur un truc longtemps et. C'est un peu particulier. Non, je sais pas ce qu'il est parti. Je sais pas ce qu'il est parti faire, mais. Mais il en a du temps. Ok, ouais, les anniversaires, ouais, il abuse. Ça, il abuse de fou. En vrai, c'était un élément bloquant et. C'était. Enfin, c'était pas vraiment bloquant, genre. C'était bloquant juste parce qu'il a gardé dans sa poche et sans rien dire. Enfin, sans rien dire, il l'a dit au début, mais. Peut-être ça qui est le problème d'être à deux aussi, c'est que bah, du coup, tu te souviens pas forcément de ce que l'autre a fait et tu sais pas de ce que l'autre a dans les poches réellement, quoi. Enfin, tu peux le voir autour de lui, autour de son personnage, mais. Ça reste assez. Assez obscur quand t'es là et que tu regardes d'autres trucs, tu te creuses la tête sur d'autres trucs et tu fais, mais comment on peut savoir son âge? Et au final, ah bah, j'ai une carte d'anniversaire. Avec un gros 30 dessus. Mais bon, c'est ça aussi qui est marrant de jouer à deux, quoi. Pourquoi j'avais pensé non plus alors que tu avais montré la carte? Ouais, mais en vrai, tu te dis pas. Enfin, comme en fait tu fais plusieurs trucs à la fois, bah du coup tu te souviens pas, enfin tu sais, ça te revient pas forcément direct en mémoire, genre bam, ah oui c'était ça. Re, désolé. Re, t'inquiète, pas de soucis. Fais le truc de Noël ? Ouais, carrément. Vas-y, let's go. C'est que le truc il va être hardcore. Oui. Par contre attends, j'avais un bouton pour enlever ma cam, il a remettre à volonté avant. Oui. Est-ce que j'ai mis ça ? Putain, j'ai mal au dos. Oh. Pas du sport, monsieur. Oh, ah, je suis vieux. C'est culturel, ta musique Option audio musique désactivée. On sait jamais. Non, je pense pas que t'as. C'est quoi, on sait jamais? Je vais mettre la musique en attendant, du coup. Petite musique sympatoche. Ok. J'ai une note en papier avec les. Merde. Quoi? Je crois que j'ai pris un indice ou c'était. Non, c'était pas un indice. Ok, j'ai eu peur.
Cher Papa Noël, le jouet qu'il me faut est un train à vapeur qui peut transporter du bois, du charbon et des voyageurs. Le wagon de bois ne peut pas se trouver derrière le wagon du charbon. Oula, le wagon des voyageurs ne peut pas se trouver à côté du charbon. Ne te trompe pas, c'est important. Robin, j'imagine. Ne pas déranger. J'ai ouvert la porte des souris, je crois. Ok. Ah, fabrication de jouets, donc du coup faut lui fabriquer son jouet au petit gosse. Ouais, là. D'ailleurs, là il y a une espèce de recette avec les matières du jouet et les types de jouets. Ouais, mais du coup moi j'ai de la lettre. Genre tiens, regarde, attends. Regarde avec moi là. Ouais, attends. Alors, il me faut être un train à vapeur qui peut transporter du bois, du charbon et des voyageurs. Le wagon de bois ne peut surtout pas se trouver derrière le wagon de charbon. Ah, ok, j'ai pas fini de lire. Pardon, excuse-moi. C'est rouge, vert, jaune. C'est-à-dire. Et il y a des couleurs en fait. Et du coup, il y a le truc de. Le wagon de bois ne peut pas se trouver derrière le wagon de charbon. Donc le wagon de bois, il sera là. C'est la locomotive. Et elle est où la locomotive? Dans ma main. Ah, bah vas-y, du coup. J'ai du fromage. Ah non, la locomotive, c'est ça. Attends, parce que moi j'ai une locomotive à vapeur. Ah bah, donc, du coup, mets-le devant. Ah, tu mets dans ce sens-là, pas? Je sais pas. Pardon. Dans l'autre sens. Bah non, mais oui, t'as raison. Ouais, c'est ça. Et du coup, après, faut trouver celle à charbon. Et celle à charbon, elle ressemble à quoi? Elle ressemble à un truc rouge. Avec. Ça. Mais il y a quoi le truc là, toi? Regarde, je trouve un charbon. Attends, il y en a là aussi, j'en ai trouvé là. On a dit. J'ai trouvé ça. Et ça. Je marche pas. Je pense pas qu'il y en ait. Oh. On est wagon de train. Pour Noël, je veux ça. Une petite voiture. Utilise le manuel de décodage des URL. Putain, il y a plusieurs trucs à faire. Ok, ouais. On peut regarder. Je pense que c'est les étoiles, genre. Ouais, les étoiles là-haut, là. Waouh! Mec, moi je vois le logo de. Ah, les gaga! Non, t'as pas compris? Si. Ok. Alors, le train. Mais putain, j'arrive pas à régler le putain de truc. Ah, j'ai trouvé ton charbon. J'ai trouvé ton truc de charbon, c'est bon? Ah, bah il est. Tu peux le mettre alors? Bah, c'est bon, il vient. Bah, voilà. Bah, comment on fait maintenant? Bah, ouais. On peut fabriquer des jouets? Il faut que 3 wagons. Bah, c'est ce qu'il a demandé, ouais. Il faut un train à vapeur qui peut transporter du bois, du charbon et des voyageurs. Ah, des voyageurs aussi. Y a pas un... Non. Je sais pas. J'imagine le deux autres. Regarde bien les règles. Alors le jouet qu'il me faut. Le bois ne peut pas se trouver derrière le wagon du charbon. Le wagon des voyageurs ne peut pas se trouver à côté du charbon. Donc, ah. Du coup, ça fait ça, ça. Ça. Voilà. Voilà. Et on fait quoi de ça? Bah, faut faire dans la fabrication de jouets, non? Assurance qualité, peut-être? Ça va pas là-dedans. Ça va pas là-dedans. Assurance qualité? Carrément. Il déconne pas le Père Noël. Hein. Je le pose là. Il y a des bottes. Attends, ça c'est. Il y a des chiffres sous les bottes? Non. Ah, attends. Ah, c'est tout ça pour un jeton, putain. Alors attends, fabrication de jouets. La musique que j'ai mis, le Père Noël sonne dans Smash. C'est trop ça. Oh, j'ai deux trucs vers le haut. Deux comètes vers le haut. Mm-hmm. Et Ça veut dire quoi? C'est pour le truc d'assurance qualité. Gagner les comètes si tu vois. Non, donc oui, celles-là elles sont vers le haut et les deux autres elles sont plus basses ou plus hautes. Et ça donne quoi de les avoir les comètes? J'ai pas trop. Bah regarde, il y a le truc des qualités. Ah mais ouais, là, j'ai vu comètes, ça, j'ai vu. Bah du coup faut refaire en fait ce qui te montre. Ah mais tu peux. Comment tu fais pour les déplacer? Bah tu drag and drop dessus. Hein? Et l'autre elle est vers le bas comme ça. Bah tu les prends. Je peux pas les bouger moi en fait.
Bah tu prends le A. L'autre je me souviens plus de comment il était. Ah ok, bien vu. Bah j'ai réussi à le faire, c'est pas exprès. On t'a réussi. Ok. Effectivement on peut mettre le jouet là. Pas, tu peux pas les bouger. Sion, qualité. Oh. Oh. Ah. Il est parti du coup genre. J'imagine. Ok. Il y en a un, ok, le deuxième c'était le truc du RL. Je l'ai dans la main. Tu peux regarder en même temps que moi si tu veux. Vas-y. Oh, il y a un URL, il dit il faut utiliser le truc de décodage des URL. Du coup, je posais. Non, c'est pas ça que je vais poser. Un genre, un éléphant bascule. Ouais, c'est juste un. Mes cartes, etc. Et c'était avec la liste des matériaux, non? C'était avec ça, non? Ah non. Mais c'est ça ton URL, non? Je pense, je sais pas, je suis en train de regarder là. Pine-le en haut de ton truc, ton écran, genre. Ouais. Mais de toute façon, dis-moi les lettres. Dis-moi l'URL que t'as. 5W2. Attends, parce que. Attends. X04, je l'ai. Et j'ai 5W2. Peluche ours. Peluche ours. Est-ce qu'on a une peluche d'ours? Bon, j'ai pas le guide de décodage des URL, mais. C'est une poubelle. Je t'ai laissé une superposition pour t'aider. Je t'ai laissé une superposition pour t'aider. C'est-à-dire. Allô? J'ai une licorne à bascule aussi, genre. J'ai un poney à bascule. Custom. Puis pareil, ça c'est censé s'ouvrir là. Ça. J'ai encore une lettre. Les cartes postales, ça veut. Oui, il y en a trois en tout en fait. Et après, là, c'est Papa Noël, comment vas-tu? Comment va Mère Noël? Là, c'est fini, voilà. Cette année. J'ai très envie d'un poney. Merci. Passe le bonjour à l'elfe. Donc, elle avait un poney à bascule, elle. Ouais, éléphant à bascule, poney à bascule, c'est qui l'a? Je l'ai dans la main, le poney à bascule. Ok. Pardon, on peut zoomer. Il faut du bois, du bois, du bois et du bois. Ah, il a dit une peluche ours. Si je le mets là-dedans, le peluche ours, il dit quoi? Truc qualité. Il va dire qu'il est cassé, non? Mais il revient. Ah. Ah, fabrication de jouets. Ah oui, bah du coup, c'est ça. Ça. Là, j'ai ce qu'il faut, je pense. Donc, c'est A4. Hmm. Et là, on va voir les pièces du puzzle. Ah non? Attends, quoi? Pas. C'est quoi que t'as fait? Bah, je voulais faire, tu sais, suivre le plan là, genre. Il y a des A4, B2, D3, etc. Où ça? D'où le plan? Sur le plan de ça, regarde en même temps que moi. C'est une corde, mais c'est pas ça. Le poney. Tu vois? A4, B2, ouais mais faut tous les activer non? Faut activer A4. Je pense qu'il faut activer B2. Et du coup c'était B2, D4 et C3. D. Attends. 4 et C3. Et par contre celui-là non. Et D3 aussi. Attends, D3. Ok. Ça a l'air de voilà. Nice. Tada. Moi j'ai toujours pas compris, je cherche le putain de manuel du RL là. Parce que à mon avis j'ai pas compris comment ça fonctionnait. Son putain de manuel. Il m'a dit. Pas de connexion internet au pôle Nord, utilise le manuel de décodage des URL, j'ai laissé une superposition pour t'aider. Attends, fais voir la note. Fais voir la quoi? La note, celle que tu lui fais enlever. Sur le tabouret. C'est une superposition pour celui-là. C'est la feuille au mur, le manuel. La feuille au mur. Ah oui, ça c'est sûr. C'est la feuille qu'on a, celle qu'on lisait tout à l'heure là. C'est avec les matériaux, genre. Ici. Ah oui, c'est tu penses que c'est ça sûr. Le manuel? Bah oui. Ok, bon bah oui, c'est peluche ours. Ok, d'accord. Alors attends, ours. X4. Donc c'est peluche. Ouais, et ours. Ensuite FASL machin et tout. De toute façon, c'est en majuscule les machins. Bah MJH, GH, non c'est pas ça. Peluche ours, moi je lis. 5W2, ouais, ouais peluche ours, ouais. D'accord, peluche ours, ok. C'est-à-dire. Éléphant à bascule, poney à bascule, licorne à bascule. J'ai pas peluche ours. Bah si j'en ai une peluche ours, elle est où? Elle est là, mais elle est cassée. Du coup faut la réparer genre. Ouais, après Ryan, là il y a des trucs qui doivent s'ouvrir là, Ryan, tu vois, il y a des boutons. C'est pouvoir ouvrir les. Ah mais oui, attends, c'est j'ai compris, attends. À gauche, t'as le bleu.
Bleu, rouge, rouge. Ah oui, avec les sapins de Noël là. Vert, ouais. Carré, rond. Alors, carré, rond. Ok. Ouais, je sens. Matière du jouet, type de jouet. Ah bah là, c'est du coup, c'est le truc de superposition, genre. Ouais. Donne-le, enfin attends, tiens, je te le donne plutôt. Comme ça, tu pourras superposer en fait, mais c'est juste pour trouver. Ouais, mais oui, c'est. Toujours, quoi, tu vois. Super, voilà, c'était bien ça. Waouh, trop fort. Ok, et celui de droite. Il y a une autre. Y a une autre ouais, à droite. Jaune. Là, alors c'est vert en haut. Et c'est rouge-jaune. Attends, en bas, il y avait rouge-vert-jaune. Attends, ah, casse-toi toi. Rouge-vert-jaune. Non, c'était bon ce que t'avais fait. Ah. Bah. Rouge-jaune. Ah non, rouge-vert-bleu, putain, je suis trop con. Non, ah. Non, vert-jaune-bleu, voilà ça. Voilà. Eh bah, il y a du fil à coudre, super. Fil et aiguille, d'accord. Ouais, mais. Il y a du ruban adhésif aussi. Ouais, mais j'ai du fil et de l'aiguille et j'ai un ours déchiré. Bah, tu peux pas faire un truc avec. Ah, ça passe à rien. Ah, si, ah, okay. Voilà, c'est bon. Ok, ça a pas marché du premier coup. Ok. Et là, écoute toi. Et là, on a fini. Youpi. Ah, la clé. On a une clé. Oh putain. Oh putain, c'est un plan. T'es prêt? Vas-y. Dis-moi. Alors, B3, A1, C2, C4. Tada! Il nous reste 2 minutes 30. Easy peasy, lemon squeezy. Let's go! Let's go! C'est beaucoup plus facile ça pour le coup. Ouais. C'est bon, on a fini. On a fini ce jeu. Hein ? Il y a des trucs ah, y avait qu'un communauté seul... aussi. Ah, il y avait qu'un seul. Ah oui, d'accord. Quand tu disais c'était un bonus, c'était un petit bonus quoi. Ah oui, mais c'était comme un tuto, mais enfin, c'était exprès. Ah ok, ok. Il y a des trucs de fou furieux sur les trucs de la communauté et tout. Ah ouais. Ouais. Donc, je pense qu'il y a un truc you need to talk to players. Je pense qu'on est séparés. Genre. Mansion of Madness. Oula. Ça là, c'est Mansion of Madness? Non, il y a un truc Mansion of Madness. À côté, il y a un truc You Need to Talk. Bah, moi je vois pas, faut que je clique à chaque fois You Need to Talk, ok. Du coup, faut cliquer pour l'installer, genre. Il y a des notes ou pas? Non. Attends, si je fais télécharger, juste ça fait installation. Faut que je la DL aussi, moi. Ouais, je pense, ouais. S'abonner. Hop. Là, je peux jouer. Vas-y, vas-y, moi aussi. Hop. Vas-y, on va essayer, hein. You Need to Talk. Ne regarde merci pas, Lisa. Cherche. GG. Let's go. GG. J'ai le cerveau qui commence à fondre. Ouais, moi aussi, hein. Je... Oh. Mec, mon cerveau, quoi. C'est pire que The Room, en fait, hein. Attends des autres joueurs. Bah, j'ai pas fait les The Room, donc du coup, je sais pas, mais... On attend. Alors. Non, on n'est pas dans la même pièce. Ok, on doit... Ah si, on est dans la même pièce. Si, si, si. Si, mais il y aura deux portes après. Est-ce qu'on n'aurait pas chacun un... Welcome dear employees. Both of you are here because your coworker thinks you can't communicate correctly. So if you want to leave this place, you have to solve a series of puzzles by communicating. One of you will take the black door and the other the red door. Good luck. PS, if you fail and die here, you will be fired. J'aime bien le... Si tu... fail et que tu meurs, tu seras viré, genre. Puis si tu meurs, c'est pas trop grave, quoi. Okay. J'ai pris la rouge. J'ai pris la noire, du coup. J'ai un alphabet avec du morse. Alors moi j'ai des yeux, j'ai une espèce de grille avec des yeux, oui, qui peuvent avoir trois... Ok. Et j'ai l'alphabet en morse, moi. Int talk to open the door. Ok, d'accord, très bien. J'ai un alphabet en morse aussi. Alors on a exactement la même chose. D'accord, mais... T'as combien de séries de deuil? Dieu, moi c'est un 4x4. Un 4x4? Ouais. Au total? Non, non, c'est une grille de 4x4. Oui, mais une seule grille de 4x4, genre. Oui. Moi, c'est du 3x2, enfin, il y en a 6, 6, 6, 6. Enfin, 6x4, genre. Enfin, 4x6 plutôt. Ah, attends, parce que 6, ça colle à l'alphabet, du coup. Ça colle au. Ah, ils sont 6 comme sur un dé. Et tu talk to open the door, donc moi, faut que j'ai le mot open, j'imagine.
Il écrit quoi au-dessus de ton tableau, toi? A-O-P-O-P-E-N, oui, ce serait ça, en fait. Au-dessus de ton tableau, c'est quoi, à toi? Ah, open the door aussi. Ok. Du coup, le E, c'est... Le O, c'est 3 tirés. Le O, c'est 3 tirés. Attends, what? Mais non, rien. Ok. Le O, c'est 3 tirés. Mais moi, attends, je comprends pas comment ça pourrait aller dans mon truc, moi. Parce que moi, c'est soit je vois l'œil, soit je vois du blanc, le blanc de l'œil, genre. Ah, attends, parce que moi... Rien. Parce que moi, c'est que tu vois un D, le côté 6 du D. Moi, c'est ce que j'ai, tu vois. Parce que les yeux, ils peuvent avoir deux couleurs. Ouais, moi aussi, soit blanc, soit rouge, enfin, soit... Non, enfin, 3 du coup, moi. Ah. Moi, ils peuvent être soit blanc, soit vert, soit bleu. Ouais. Oh, putain, ils sont dégueulasses, ils sont mal faits, en plus. Yep. C'est deux yeux collés ensemble. Dis-moi le O de open, comment ça fait, genre, pour toi? Le O, ça fait en haut à gauche, au milieu à droite, en bas à gauche. Ok, vas-y, le P. Le P, c'est les deux en haut, à gauche, au milieu, à gauche, en bas. À gauche, au milieu, à gauche, en bas. Ok. Ensuite Le E, c'est en haut, à gauche, en bas... au milieu, à droite, et rien d'autre. Ok. Ensuite, et le N, c'est les deux en haut, à droite, au milieu, à gauche, en bas. À droite, au milieu, à gauche, en bas. Ok. Ok, moi, ça a ouvert. Bah, moi, c'est pas ouvert. Bah non, du coup, moi le O c'est 3 tirés. Attends, peut-être que toi à la suite, le O toi c'est 3 tirés. Ouais, donc moi, enfin genre bas. Ensuite c'est point tiré point E. Attends, c'est du morse, attends, ah oui. J'avais pas compris. Ok d'accord, c'est bon, j'ai compris. J'y étais pas, quand tu m'as dit morse en fait j'ai cru que t'avais du braille comme moi. Excuse-moi. Non. Ok, non, my bad, ok c'est bon, j'ai compris. Tu m'as dit... ça fait moins, enfin tiré. Ok, donc c'est 3 longs. Ouais, 3 longs, ensuite point, tiré, tiré, point. Tiré, tiré, point. Ok, ouais. Le E, c'est juste point. Ok. Et le N, c'est tiré, point. C'est bon. Ça a ouvert ? Ouais, c'est bon, j'avais pas compris ton énigme en fait. My bad. Ok. Alors moi, j'ai 500 d'antilopes de mon côté. Et j'ai une photo d'un oiseau. Des oiseaux. Moi, j'ai plein de photos d'oiseaux et j'ai la classification des antilopes. Ok, toi tu dois avoir l'inverse. Tu dois avoir 5 photos d'antilopes et la classification des oiseaux. Moi j'ai Bambi, ouais, c'est ça exactement. Ouais, bon, ok. Et du coup, j'ai Crane and Storks, Grey Crown Crane, Japanese Crane. Demande-moi à quoi ils ressemblent les machins et puis je vais te dire leur nom. Parce que... Alors, d'accord, et dans les coins tu as des plaques avec leur nom. Dans les coins ou c'est dans les coins des pièces. Les coins de la pièce. Ah, en effet. Par contre, ah oui, sous le canapé, il y en a un aussi. Ouais. Oh putain, ils sont pas chiants. J'en ai deux là déjà. Ah, sous les oreillers. J'en ai trois moi. J'ai pas de coussin moi. Attends, il y a combien en tout? 1, 2, 3, 4, 5. J'en ai que 3 moi. Sous le tapis, non? Sous le canapé, il y en a. Moi j'ai 2 canapés. 1, 2, 3, 4. J'en ai 4 moi. Ah oui, c'est bon, j'ai 2 canapés aussi, t'as raison. J'ai les 5. Il y a 2 canapés, t'as raison. Attends. Alors, Bambi. Attends, Bambi, il s'appelle comment? J'arrive pas à voir le dernier. Putain, mais ils sont sérieux. Ah, je peux pas. Ah, ok, on peut bouger le canapé. Ok, alors. Bambi. Bambi, il ressemble à quoi Bambi? Y'a pas Bambi. Il s'appelle comment? Comment ça Bambi s'appelle comment? Bah genre c'est le nom qu'il a genre. Oh mais mec, faut que tu sois plus précis que ça, Bambi, ça peut être n'importe lequel. Bah, le plus petit. Le plus petit, ok, ah oui. Ah bah attends, tu sais que cet animal en vrai il fait genre 10 ou 20 cm de haut? Ouais mais c'est pas un dick-dick. Si c'est ça, c'est Kirk's dick-dick. T'as vu, je suis trop fort. Moi je connaissais déjà la J'allais me coucher mais c'était chouette en tout cas, bon jeu. Merci beaucoup Lisa, bonne nuit, ciao ciao. Merci, et bonne nuit. Y en a un qui ressemble qu'à une tronche détruite dans le désert dans Star Wars, genre. Ouais, c'est bon, c'est Saiga. Alors attends, ouais, mais putain, en fait, je te les remettre à l'endroit à chaque fois, genre. Bon, y en a un qui est noir. Alors attends, juste la couleur. Bah, Saiga. Ouais, mais il est y en a un qui est noir, ouais. Noir, c'est sable antilope. Ok. Celui qui a un cou tout fin, c'est Gérénuque.
Celui qui a un couteau fort, ok, Jérénuc. Et du coup le dernier c'est Giant Island. Ok. Ok, à moi. Alors, y en a un qui a une... ok, il se ressemble, ok. Y en a un qui est... Il y en a un qui a un bec orange. Oui, c'est ce que j'allais dire. Et c'est le Saddlebill. Saddlebill, c'est où Saddlebill, 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 ok. Il y en a un qui a un coup, genre une boule, il a un gros coup et il a un bout. Alors, il y en a deux comme orange. Ça, mais... Non, il y en a un, c'est un vraiment coup. Une boule, quoi, qui pendouille. Oh, il y en a un, c'est une boule, ouais. Il est tout blanc, il est sur une patte. Ok, c'est bon. C'est le Jabiru. Jabiru, ok. Et du coup, il y en a un autre, il est dégueulasse, il a une boule sous le cou. Ouais, c'est un marabout stork. Marabout... Moi, j'ai juste marabout. Ah bah, marabout, alors. Il y en a un qui a une collerette, qui est un noir et blanc, ouais, mais ouais, c'est mangé. Noir. Lui, c'est le Great Crown Crane. Ok, et le dernier, c'est le Japanese Crane, du coup. Japanese Crane. C'est bon? Yes. Look at both, at both sides before passing through the... Moi, j'ai 3D. Et des chiffres, des combinaisons de chiffres en dessous. Moi, on me dit de regarder des deux côtés avant de passer la porte. Hein? Alors, look at both sides before passing through the door. Ok. Donc, Saïga et Dig Dig. Je vois pas trop ce qu'il veut que je fasse, genre. Ah, autour de ta porte, t'en as deux? Bah, j'en ai un à... Attends. Ouais, t'en as un en face à gauche et puis t'en as un contre le mur à droite. J'en ai un contre le mur à gauche, oui, enfin, oui, et ça, c'est un à du côté coup. De la porte à droite, quoi. Mais du coup, je sais pas comment passer, genre. Enfin... Ah, tu peux pas sortir? Bah, j'ai ouvert la porte et ensuite y a rien dans la pièce d'après, quoi. Dans une mini pièce, moi. Ouais, moi aussi j'ai une mini pièce, mais moi j'ai une énigme. J'ai 3 dés avec 3 combinaisons de chiffres. Alors les dés, je peux faire des chiffres de 1 à... Je peux faire 1, 5, 6, 4. Je peux faire des combinaisons sur les dés. Et sur les locks, je peux faire de 1 à 99, quoi. J'ai rien compris. Bah, en gros, j'ai des dés au mur. Des dés, ouais. Ok, il y en a 3. Je peux faire des, ouais. Je peux faire des chiffres dessus. Ouais. Je peux choisir leur valeur. Et en dessous, ouais, de chaque dé, j'ai une combinaison de 2 chiffres. Ok. Que je peux choisir aussi. D'accord. Et donc, en gros, j'ai 1, 2, 3 et j'ai 6 trucs à trouver en tout, quoi. Du coup, je... Ouais, mais je capte pas, genre, le... Ah, moi non plus. Parce que du coup, t'as des dés, donc faudrait que je trouve des chiffres et des dés, quoi, en gros. Alors, je pense que ça va être juste des chiffres, les dés... Ils sont là pour casser les couilles, c'est juste des chiffres, je pense. Y a pas des lampes ou un truc du genre? Ah, putain, regarde au plafond. J'ai rien au plafond, frère. Y a pas des lumières qui sont éteintes ou d'autres qui sont allumées? Ça ressemble à des dés, moi, de mon côté. Non. Ah ouais? Ça ressemble pas à des dés noirs avec des carrés blancs? Non. Pas du tout. Attends, il y a quoi? Il est comment ton plafond, toi? Il est tout marron. Ah. Enfin, marron... Il y a rien, il y a juste des petites lampes, mais elles sont toutes allumées. Ouais, moi aussi, elles sont toutes allumées. Par contre, on n'a pas le truc de la même couleur. Ça se tient en même temps. On n'a pas exactement le même jeu, mais putain, les jeux ne sont pas genre. Moi non plus. Et là, il n'y a pas de bouton indice, hein. Ouais, non, c'est ça le pire. Look at both sides. Alors attends, ça se trouve, c'est pour moi. Look at both sides. Font passing through the door. Donc avant de passer la porte, là, tu regardes à gauche, à droite, quoi. Bah, y a deux lampes. Y a une lampe, je sais pas si c'est ça qu'il faut que je regarde. Je sais pas. Ah mais moi elle est éteinte, elle est allumée. Non, c'est allumé, ça. Look at both sides. Ouais, je look. C'est-à-dire... Attends... Non, bah non, ça passe pas, ça, ce que je pensais. Putain, c'était hyper simple, et d'un coup, ça se complexifie de ouf. De fou. Ou alors, On est juste teubé, hein. Bah ouais, on se sur...
Toi, ouais, y'a rien que je puisse faire en fait, genre. Bah, moi je peux bouger des trucs, mais je connais pas la combinaison, quoi. Et je comprends pas la combinaison. Bah, moi je capte pas. Le. Regarde des deux côtés avant de passer la porte. Donc attends, je me mets devant la porte, regarde à gauche, il y a un Saiga. Ça me met notebook. Ah non, mais d'accord, c'est le panneau. Et à droite, il y a le dic-dic. Et le panneau avec les animaux, genre. J'ai ah, pareil, moi j'ai la même chose, mais à l'inverse, quoi. Ouais, bah, c'est asymétrique, quoi. Mmh. Et il n'y a rien autour de la porte, tu vois. Je vais retourner les meubles et tout, voir s'il n'y a pas des trucs derrière les ouais, plans, les canapés et tout. Je capte pas, frère. Je comprends pas. Bon. Allez. Ça fait des deux côtés. Je. Je comprends pas. Non, mais. Ok, t'as un truc sur la note de départ. C'est ce que j'ai regardé, mais non. Mais bien essayé. Qu'est-ce que ça pourrait être? Une combinaison à trois chiffres. Regarde des deux côtés avant de passer la porte. Il y a 7 O dans cette phrase. Il y a 7... C'est jamais. Hein. Quoi? Il y a 7 O dans cette phrase. Look, il y en a 2. Both, il y en a 1. Before, il y en a 1. Through, il y en a 1. Ah, pourquoi t'as compté le nombre de O? Je sais pas. Ah, d'accord. Je crois qu'il y avait une logique. Bah, c'est, en fait, c'est les lettres qu'il y a le plus. En fait, j'ai regardé un peu de tout en global. Il y a 2 mots avec des doubles O. Du coup, je me suis dit, bah, peut-être qu'il y a un bail avec ça, tu vois. Mmh. 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 Mais aucune idée, quoi. Look at both sides. L, B, B, P, T, D. Look at both sides before. C'est quoi la fin de la phrase? Passing through the door. Passing through the door. Je regarde les deux côtés avant de passer la porte. On est d'accord. Ouais, sur la ouais, c'est ça. Passing through the door, ouais, c'est ça. Passer à travers la porte, ouais. Donc je regarde les deux côtés. Ensuite, je passe. C'est quelque chose, genre? Non. Mais c'est peut-être pas cette porte-là en fait, je peux peut-être revenir en arrière, non? Essaye de faire ça à chaque porte que t'as pu passer. Ouais. C'est ce que je fais, mais genre là, bah... Ah, bah à droite, attends, t'as des dés? Ah, il y a des dés? Non, mais moi j'ai les yeux au début, là. Et le 6, ça fait comme sur un dé, tu sais. Ok, et du coup ça te fait quoi? Ça ferait 3, 4, 2, 4. Il y en a 3 en tout, c'est ça? Ah, non, moi il y en a 4. Ah. Moi le premier, je peux faire 1, 5, 6, 4. Il y a 1, 5, 6, 4. Je bite rien. Moi non plus. Les tableaux, tu peux pas aller les voir et les bouger, faire qu'un truc? Non. Et quand tu regardes le nom du piaf, tu peux pas le reprendre et regarder s'il y a pas un truc d'écrit derrière, un truc comme ça? Non, non, c'est des... Enfin, je peux regarder ce qu'il y a d'écrit derrière, mais c'est des bails bizarres, enfin, genre... C'est pas des vraies textures, tu vois. Ouais, je vois ce que tu dis. Genre, il y a un code barre et tout, mais... Mmh. Là, je bite rien. Puis moi, j'ai aucune indication, quoi. Juste des dés et des trois chiffres en dessous. Non, vas-y, pas devant, je vais regarder sur le stream juste pour... Oh, on peut sprinter. Ouais, bah, j'ai capté ça aussi. Pas devant, Attends, là, je... Le stream, deux secondes. Ouais, t'inquiète, je bouge pas. Donc ouais, t'as trois, ouais, t'as les trois trucs, les trois dés et trois combinaisons de chiffres. Mmh.
Et sachant que... Ah non, attends, je vais te montrer. Les dés, je peux les bouger comme ça. Et les chiffres aussi. Tu vois, tu peux les bouger de haut en bas, quoi. De haut en bas. Donc voilà. Et moi, j'ai zéro indication, c'est juste ma porte. Aucune putain d'idée. Genre. Et toi, ici, t'as un panneau, enfin, dans la pièce, ça te dit à la place... Ça me dit juste, j'ai juste ce panneau là, tu vois, genre look at both sides, before passing through the door. Ah, attends, après, c'est peut-être pas une indication que pour toi. Bah, non, je pense que c'est plus pour toi que pour moi. Regardez des deux côtés avant de passer. Mais both sides, ça veut peut-être pas dire genre à droite et à gauche. Ah ouais, ça veut dire de l'autre côté de la porte aussi potentiellement, genre. Mais du coup, ce serait. Non, ça va peut-être dire, genre, ça va peut-être dire, genre, regarder de côté, genre, dans chacune de nos pièces. En effet. Mais je capte pas. Parce que même en voyant ton stream, ça m'aide pas, genre. Ouais. Enfin, taper OV, genre, ça m'aide pas, tu vois. Ah, tu vois, regarde mon plafond, comment il est. Je pensais ouais, qu'il y avait peut-être un délire. Ouais, des sortes de dominos, enfin de. Ouais, je sais pas, ça ressemble un peu à des dés. Ouais. Mais t'as pas de bail. Je suis peut-être que toi de ton côté il y a les mêmes, mais en certains déteints ou je sais pas quoi. Pas du tout. Ça me fait chier, hein, je te jure. Ouais, moi aussi. Je pite rien, putain. On peut pas demander un indice, non ? Non, on peut pas. Non, j'essaie de revenir en plus à la pièce de départ, on peut pas. Non, on peut pas non plus. Ok, bon. Ouais. Look on both sides. Aucune idée. Là. Puis là, j'espère qu'il n'y avait pas de logique avec les objets qui étaient posés dans la pièce parce que j'ai tout bougé. Hein. Pareil. C'est un bordel. Bah j'en sais rien. Hein. J'ai tout retourné, j'ai retourné les meubles et tout. S'il n'y avait pas un truc d'écrit sous le canapé. On ne sait jamais. Eh bien sache qu'il n'y a rien d'écrit sous le canapé. On est bien heureux de le savoir. Ça fait chier de fou genre. Putain mais ouais je comprends rien. Ouais, franchement, aucune idée. On sait pas du tout. Et genre, t'as essayé de faire des trucs, genre des combinaisons de chiffres au pif? Ah ouais, mais bon, t'as le nombre de combinaisons qu'il y a? Ah, c'est sûr, on sait jamais. Hein. Mais oui, j'en ai fait un. Hein. Mais vas-y, le nombre de combinaisons qu'il y a, toi. C'est impossible de trouver, hein. Non, franchement, aucune idée. Parce que sinon, c'est avec les lettres, ça fait G, S, S, K. G, G, S, S, K. G, G, S, S, K. Ça rien. J'ai aucune putain d'idée. Hein. On peut give up, hein, je pense. Ouais. Je pense que ouais. Hein. Ça part sur un give-up, hein. Y a pas... on peut même pas se faire aider, genre. Bah non. Je vais voir sur Steam si jamais y a... Il a donné la soluce, peut-être. Ouais. Attends, mon PC en PLS, là. Je t'avoue que même mon PC, il commence à avoir des freezes, moi. Ouais, mais c'était peut-être parce qu'il y a des trucs, des bails chelous après. Et du coup, c'est qu'il charge d'avance. Ah ouais, non, mais même les trucs officiels, hein, j'avais des freezes. Ouais, mais il est assez demandant au final. Sur la fin. Mais comment le bail? Je sais plus. I need to talk to players. Après, quand tu vas dans les trucs genre workshop de.
Non, c'est pas ça que je voulais, moi. Ouais, hub de la communauté. Escape Simulator, Workshop. Tu peux peut-être les classer par... Sudoku Puzzle. Sudoku in Space. Les plus populaires. The Great Cleanup. Ah, nice, je trouve qu'ils font des trucs... No Time to Explain. Oh, y'en a, il se chauffe de ouf, hein. Ouais. 18 000 mégas. Ah oui, très bien. C'est... Discussion, alors. Ah oui, d'accord, mais... Ah oui, there's a guide in the discussion tab. Ok. Il y a un guide dans le truc de discussion. Hints and Solutions. Ok. You should write the same word with the eyes from up to down for black. T'es dessus là? Ouais. Moi je suis sur Mention of Madness. Describe some animal to your friends, ok. Black from left to the already open door to the right. Int for your friend Jabiru, door, gray crown crane, Japanese. Oui, du coup c'est la solution pour avant, ok. Mm-hmm. Red as the hints and black. The puzzle. Ok. What's on the side of each dice? In this one, red just have to wait for black to enter the following code. 23, 54, 16. Ah, d'accord. Tu devais trouver ce qu'il y avait sur les côtés des dés. Les chiffres que tu pouvais pas voir, en fait. Putain. J'ai compris en même temps, mais ouais, ouais. What? Putain, les dés, les gigabytes, ils peuvent tourner, mais ça sert à rien. Ouais. En vrai, c'était ça la solution. Ouais, en vrai, c'était faisable. Hein. C'est trouvable. Ouais. Bah, je pense que je vais arrêter quand même parce que ça. J'ai le cerveau qui fond, mec. Ouais, mais surtout, là, ça a l'air complexe. Hein. Ah ouais, non, j'ai le cerveau qui fond. Oh. Oh la vache. Ah ouais, non, franchement. Oh, c'est chaud. Franchement, compliqué. Hein. C'est chaud, c'est chaud. Compliqué. Bon, bah sur ce, moi je pense que j'avais mieux pioté. Hein. Ouais, bah pareil, hein, ouais, non, c'était bien. Ah bien ouais, sympa, c'était bien. C'était bien, plus de cerveau, ouais. Ah oh. Ah. Ah ouais, on a le truc qu'on a plus fail, c'était sur la le truc avec l'âge de la meuf. Là. Ouais, ouais, ouais. Lui, on a pété un câble. Hein. Le truc dans le bureau, là. C'est vraiment où c'était faisable. Enfin, c'était largement faisable, tu vois, et on s'est chié dessus. Quoi. Ouais, clairement. Clairement, les clairement. Jeux, en vrai, on a galéré, mais c'est parce que c'était. Il y en a que deux ou trois derrière où on n'a pas eu. On n'était pas dans les temps, mais on n'a pas autant galéré. Il y en a eu quatre au total sur la soirée. Il y en a eu deux sur le premier room. Et il y en a que deux, on a demandé des. Deux ou trois où on a demandé des indices. Ouais. Mais bah, tous ceux qu'on n'a pas. On n'a pas réussi à faire dans les temps. Ouais, ouais. Mais sinon dans la globalité ça allait. Ouais, franchement ça va. Ça allait. C'est ok. Bon bah sur ce, ouais. Des gros bisous à tous. Nous on va aller se pioter. Exactement. Voilà. Bonne soirée. Bonne soirée et puis on se retrouve la semaine pro pour encore d'autres trucs. Voilà. Exactement. Nouvelles aventures. Voilà, nouvelles aventures, sûrement de la Switch, comme d'hab, et puis on va essayer avec Mathieu de vous faire un petit stream. Je sais pas, à voir si le jeu on le fait tourner ou pas, le prochain qu'on avait vu ensemble. Ouais, bah c'est surtout de mon côté parce que je suis sur un PC portable, donc c'est complicado. Exactement. Mais on va essayer de faire de plus en plus de streams avec la team. Yes. Bon allez sur ce, des gros bisous. Ciao. Bonne soirée. A plus, salut. Ciao.